ben c'est parti. Allez. Ah non, on vient d'arriver. Bah oui, bah. Ok. La promesse cette journée. Alors, je vais passer en mode. Hop là. Juste un petit. En mode sans fil. Non, 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 mais je pense que ça. Je passe sur le Twitch en fait, sur la version où tous les gens peuvent voir un peu ce que vous faites. Ah, oui. Du coup, je vous partage une carte pour en avoir besoin. Je rappelle les derniers événements. Vous étiez donc à Fort Boueux. Vous avez défendu comme vous pouviez le fort. De nombreux orques arrivent par le marais de Bourbevieux qui s'est transformé en lac depuis ces quelques derniers jours à cause de la pluie. Et du coup, les orques en ont profité lâchement pour venir attaquer Fort Boueux et vous êtes aperçu que finalement, c'est peut-être pas une poignée d'orques qui arrivait, mais bien et bel au moins 250 orques, voire même plus, qui arrivaient par... le marais de Bourbevieux. Donc voyant ça, Andra Mortemire a tenu bon jusqu'au bout. Avec son frère Julius, ils ont tenu. Mais ils ont dû mourir. Ils ont dû mourir dans, comment dire, dans le fort. Tel un... Ah ça y est, je suis coupé, super. Comme je disais, tel un capitaine avec son bateau, ils ont tenu le navire jusqu'où ils pouvaient. Et puis vous, pendant ce temps-là, vous avez donc pu prendre la fuite avec les divers soldats qui eux-mêmes avaient reçu l'ordre d'Andra de partir jusqu'à Vireux. Donc c'est sur la route de Vireux qu'on vous retrouve en fait, ainsi que les gardes, puis Rufus qui est parti aussi. Hein. Et Rufus a transporté en fait Ninvel qui ne se sentait pas très bien. Peut-être au vu de tous ces cadavres qu'elle a découverts dans le fort. Bref, elle est alitée dans le chariot de Rufus. Ah, parce qu'on est parti avec le chariot. Ah ben oui. Oui. Bah, disons que comme Ninel était un peu patraque, il valait mieux la transporter dans la carriole de Rufus le gnome. J'imagine que tous là ils sont partis à cheval, non? Certains ont pris les chevaux qui restaient effectivement dans les écuries. Il en restait, je crois, si je ne m'abuse, 5 ou 6. Et donc les gardes, les premiers gardes ont dû prendre les chevaux effectivement pour partir, ainsi que les autres hein, d'ailleurs qui sont partis avec vous, ont dû prendre les chevaux qui restaient, qui n'avaient pas été dévorés par les orques. On est à pied. Vous êtes à pied, mais vous êtes en allure assez forcée, puisque... courage fuyons, mais vous ne fuyez pas sous la pluie. La pluie a cessé. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez pu remarquer la cinquantaine de barques qu'il y avait, ou de radeaux qu'il y avait sur le marais de Bourbevieux, en direction de Fort Boueux. Donc, sur la carte, c'est pas très loin, hein, Fort Boueux, Vireux. Je crois pas que j'ai d'échelle. J'ai jamais d'échelle, ça m'énerve. Mais on peut estimer ça à allure rapide, à peu près une demi-journée de route, quoi. À l'aller, c'était beaucoup plus compliqué de faire avancer le chariot, la chariote, etc. Parce que il pleuvait, et c'était embourbé facilement, etc. Alors que là, ça fait quand même quelques heures qu'il ne pleut plus, que la route est devenue un peu plus sèche, et donc on peut avancer plus facilement sur la piste forestière du bois de Mirviel. Donc, quelques heures plus tard, en fait, vous arrivez à Vireux, un peu fatigué. Vous êtes parti en pleine nuit, hein, donc vous arrivez à peu près, on va dire à peu près au petit matin à Vireux. Alors, je vous remontre Vireux.
Alors évidemment, si vous avez voulu, enfin si vous avez fait des choses en chemin, faut me le dire comme ça, je prends en compte. Mais si vous ne faites rien, je fais un peu défiler le. On a à faire parce qu'on fuit. Oui, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous fuyez, donc c'est vrai que. On peut peut-être dormir dans la carriole Avec Ninuel, dans la roue. Et à 12. à 12 Alors, pas spécialement avec Ninuel. Ninuel est dedans et comme elle est vraiment malade, voilà quoi, vous savez pas ce qu'elle a chopé. La petite. Toi, Croril, t'as été à son chevet un moment pour voir un peu ce qui allait pas. Et tu penses que c'est plus. Elle est pas atteinte physiquement, mais peut-être plus psychiquement, en fait, par la vue de tous ces cadavres. Elle est devenue zinzin, quoi. Voilà, ouais, c'est ce qu'on appelle dans Cthulhu une perte de santé mentale. Ok, donc je vous montre la carte de Vireux, car vous pensez sérieusement que la prochaine étape des orques va être Vireux. Alors Vireux a pour caractéristique d'être vraiment sur une falaise, à flanc de falaise. Donc le défendre va pas être un souci. Ce sera peut-être pas aussi compliqué que Fort Boueux, mais vous avez une petite population qui pourront sûrement, si vous les haranguez correctement, vous aurez de l'aide. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, on va arriver. Je vais vous montrer donc Vireux. Un petit souvenir de Vireux. Alors, hop, je passe là-dessus, je passe ici. Hop, hop, hop. Faut que je fasse des manips en même temps sur ma deuxième cam. Enfin, sur mon deuxième Fantasy Ground. Voilà. Donc là, nous avons Vireux, User disconnected from your channel. Bah, qui c'est qui est parti déjà? C'est Xavier, c'est vrai qu'on n'entendait pas. Ah. Parti? Bah, il est parti. Ça a pas dû lui plaire à ton début de scénar. Alors il y a un joueur, enfin il y a un comment on appelle ça, un youtubeur ou un Twitch, qui a dit qu'il fallait embêter le meneur de jeu, mais je vous le déconseille fortement. Hein. User joined your channel. Coucou. 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 Bonjour C'est monsieur. pourquoi vous êtes là pourquoi monsieur Je sais pas. C'est bien ici. Oh, un village. Donc voilà, vous êtes près du village de Vireux et au petit matin, lorsque vous arrivez, vous voyez la porte qui s'entrouve au moment où vous arrivez. Les gardes postés aux alentours sur l'espèce de palissade en fait, hein, rempart un peu en bois, vous ont vu arriver et ont ouvert les portes quand ils ont vu ce flot d'émigrés arriver à Vireux. Alors, je voulais changer de zip parce que ça va pas du tout avec L'ambiance. l'ambiance morne qu'il y a. Alors, et je change de musique. Mais le village, il est à côté de la route ou il est... Parce qu'en fait, il est dans un trou, non? En fait, il est en haut d'une falaise. En haut, d'accord. Et la route, elle passe en bas. Et la route, elle passe en bas. En fait, il y a un second chemin. Effectivement, sur la carte, on peut s'apercevoir que il y a un autre chemin qui va en direction de Clerval. Mais lorsque vous arrivez en fait à Vireux, il faut monter une falaise, une petite pente en fait qui mène directement à Vireux et qui l'amène en fait à la, Vireux est à flanc de falaise en fait. Et tout autour, il y a la forêt. Ouais, donc en fait les orques ils pourraient très bien aller sur Clerval sans s'arrêter à Ouais, il pourrait Vireux passer, ouais. ou juste s'arrêter à Vireux, avoir que c'est défendu puis continuer. Oui. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors attendez 2 secondes, tac, tac, tac. J'ai pas de problème, faut juste que je change. Que je trouve surtout.
comme j'ai encore eu un problème avec le PC, j'ai encore plein de choses qui ont disparu, donc parce que j'ai dû reformater tout ça, enfin la totale quoi. Qui a la macro de gueule? Je sais pas si je peux mettre en. Ah si, c'est bon. Donc vous arrivez à Vireux, il commence déjà à avoir un petit peu d'animation. Ah, j'entends plus rien. Attends, je vais baisser. Ah, c'est mieux là? Ah, c'est quand même fort. Et Avec les réglages. tu peux contrôler Ouais. ton ambiance en fait en Ah, baissant c'est dans mon. TeamSpeak. C'est dans TeamSpeak que tu baisses mon son en fait. Il faut que tu cliques sur ambiance par contre. Et que tu descends le volume. Faut le mettre au moins à moins 20, bah. Ouais, faut le mettre à moins 20, ouais. Alors, Viro, ouais, petite bourgade de quelques habitants. Vous y êtes déjà Reste passé? fort, hein. Je suis désolé. Même à À moins moins 20? 30. Attends, je Bah, à moins vais. 30. Moins 30 et. Et là, est-ce que c'est mieux? Elle n'entend plus. Elle a baissé C'est mon parfait, on son. n'entend plus rien. Baissé mon son, elle n'entend plus. Alors, je reprends le scénario. Hop là. T'entends rien, Isabelle? Isabelle? Isabelle, tu Isabelle? nous entends? T'entends? T'entends que le. Si, il y avait Stéphane qui parlait à un moment. Ah, là j'entends plus. Bah oui, t'as dû baisser mon son en fait. C'est pour ça. Oui, Du coup, on j'ai t'entend un peu baissé vu que t'es tout Stéphane. le temps coupé. C'est pas mon son qu'il faut baisser, c'est l'ambiance. Ah oui, c'est ambiance qu'il C'est faut ambiance baisser. qu'il faut baisser. Donc Ah, c'est tu. pour ça que Ah oui, t'entendais mais toujours pas j'ai fort. pas la feuille d'or. Et tu modifies le volume en fait. Même moi, chez moi, il est Ah à non, moins je me suis 15 en planté. fait. Bah oui, tu t'es planté et tu as baissé mon son, je m'entends plus. Isabelle, c'est bon? Cette ambiance, ça baisse, c'était. Ah non, non, c'est pas. Comment? Non, 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 c'est Je pas parlais pas. possible. C'est pas possible. Non, je parlais pas, c'est pour ça, donc. Tu m'entends là? Eh ben non. T'entends, je t'entends. Ah bon? Alors. Faut le dire! Tu m'entends pas? Je pense que je vais écrire. Alors, donc. Vireux. Donc, petite bourgade, vraiment. C'est l'impression d'être une halte en fait dans la forêt de Mirviel. Et quelques bâtiments en bois. Il n'y a pas de bâtiments en dur. Il n'y a pas de bâtiment dur en fait. Hein. Il y a effectivement un grand hall, là où vous avez dormi il y a quelques jours de cela. Et tous les bâtiments sont en bois. Certains sont plus élevés que les autres, dû à la falaise. Surtout en fait le grand hall, ici. Je vous montre avec. Si j'arrive à le trouver. Attends, quel indicateur? Hop, voilà. Ici, donc, le bâtiment. Donc, je vous montre. Ah, nous avons perdu Stéphane. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Il y a peut-être trop de trucs de lancer, il a fait trop de plots, peut-être. Non, mais il avait un problème de micro. Alors, bah excusez-moi, j'ai un problème avec le casque, donc du coup il se coupe par moment, donc ça va être un peu pénible. Du coup, oui, comme je disais, là où je montrais avec mon doigt.
C'est le donc la, le bâtiment principal hein, qui fait office de mairie, etc. Bref. Mais tous les autres bâtiments, celui-là est un peu plus costaud que les autres, tous les autres sont vraiment... Alors, de... du coup, oui, comme je disais, donc quelques bâtiments... Troisième fois, c'est moins drôle. Troisième fois, c'est moins drôle. Oui, forcément. Hein. Forcément. Bon, allez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Alors... c'est sérieux, là. Alors, donc du coup, vous arrivez à Vireux. Ça y est, vous êtes à Vireux. Quelques bâtiments en dur. Oui. Oui, Tini. Non, mais parce que y a... On peut faire un casque avec celui de Steph et Isa. Oui, mais le mien fonctionne normalement. Aussi. Alors que celui d'Isabelle, pas du tout. Pas du tout. Voilà. donc vous êtes accueilli par. Non, parce que Isa, elle entend, mais elle peut pas parler. Toi, tu peux pas parler, mais t'entends. C'est ça. Mais maintenant, ça va mieux parce que j'ai réussi à jouer les MacGyver avec le casque. Non, non, c'est pas TeamSpeak qui fonctionne pas, bah, il fonctionne très très bien, hein, TeamSpeak. C'est que vous savez pas le configurer, c'est tout. Hein. C'est pas de ma faute, mais... Non, mais j'ai pas Skype, chez moi Skype ça fonctionne pas. Alors, je... Ouais, c'est parce que tu sais pas le configurer. Si, 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 mais j'ai été ban. J'ai été ban par Skype, alors je peux plus avoir Skype. J'ai été ban. Vous avez Windows 10 Isa, oui. Ah, c'est peut-être possible que ça passe moins bien avec, avec Windows 10. J'ai Windows 10, il n'y a aucun problème. D'accord, bon, bah alors ça vient de chez Isa. Windows 10 aussi. Hein. Bah, moi, j'ai pas Windows et ça marche. T'es sur Linux Non. Non, il n'y a même pas forcément son PC. Mac hein, c'est un Mac ouais, ouais, Mac. C'est bien. Bref. Donc à Vireux, vous êtes accueilli par le bourgmestre. Les gens commencent à sortir des maisons, mais qu'est-ce qui se passe? Ils voient les gardes de Fort Boueux avec vous en fait, et ils sont très très inquiets. Et bah, y a un des gardes qui va prévenir le maire comme quoi il y a des orques qui ont envahi Fort Boueux, etc. Et du coup, ben le bourgmestre de la ville de Vireux vient vous voir. La carriole de Rufus rentre et va se mettre à côté de les ici en fait à l'auberge en fait et pas très loin dans cette petite espèce d'établi il y a de quoi rentrer quelques chevaux et la charrette. Vous voyez Ninuel sortir péniblement de la carriole et du coup aller transporter avec du Rufus et puis du tavernier à l'intérieur de l'auberge. Entre-temps, on vient vous voir, donc le bourgmestre. Bah, dites-moi en plus, qu'est-ce qui se passe à. Qu'est-ce que se passe-t-il à Fort Boueux? Oh, la situation est terrible! Il y a des orques qui ont envahi le fort! Il faut préparer les défenses! Fort Boueux a été pris. Préparez-vous, ils arrivent ici! Et centaines! Ils sont légion. Vous commencez à avoir les gens autour de vous qui commencent à être un peu paniqués lorsque vous criez ce genre de choses. Il faut faire une catapulte. Il faut fuir. Et donc les gens commencent un peu à être en panique. Il commence à y avoir des espèces de groupes qui se forment, en discutant entre eux, etc. Ils sont très nombreux, mais à nous tous, nous pouvons les vaincre. Ceux qui sont pas prêts à se battre doivent fuir. Alors, vous comptez à peu près... Ceux qui ne savent pas prêts à fuir doivent se battre. Hein? Quoi? Comment? Alors, vous comptez à peu près peut-être une vingtaine de personnes, dans ces 20 personnes en tout, une dizaine d'hommes qui seraient valides pour effectivement vous aider. C'est tout? Oui, bah, comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de maisons en fait. Hein, et donc... tu enlèves les femmes et les enfants, il va rester à peu près une dizaine d'hommes valides. C'est ça. Donc une dizaine d'hommes qui seraient prêts à vous aider, mais vous voyez qui, tu vois déjà certaines personnes rentrer avec leurs femmes et leurs enfants, et tu te dis que certains vont sûrement pas rester là. Quoi. Alors tu as dans un fort à 20. On a tenu combien de temps? Une heure? 8 minutes.
8 minutes. Eh ben, on peut battre notre corps. Et là, je sens que moi, dans un petit truc avec des barricades de fortune, là, ça va être bon. On est sur une falaise quand même. C'est un avantage. Aller prévenir le reste du monde. Ah, et en plus, on leur a pas dit. En plus, les chamans. Enfin, il y a des. Ah non, ils ont amené leurs femmes avec eux. Ah, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, entendu pour les que oui, la comment Vireux est placé sur une falaise et qui est beaucoup moins accessible que Fort Boueux que Fort Boueux, et vous vous dites que sa position forte de village avec les falaises abruptes qu'il y a tout autour empêchera de toute façon les orques d'arriver. Donc le seul moyen pour que les orques arrivent ici, c'est de toute façon passer par le portail d'entrée. Ils pourront pas faire autrement parce que la falaise les empêchera de monter jusqu'au village. Et pourquoi ils essaieraient de venir ici? Ils se contenteraient pas de passer en fait. Parce que ce sont des orques et qu'ils éliminent en fait tout village qui sont à leur disposition, on va dire. Et du coup, Vireux n'est pas très éloigné de la route forestière. Elle est à quoi à 20 mètres de la route forestière, même pas à 10 mètres de la route forestière. Il y a vraiment un petit chemin qui mène jusqu'en haut, en fait, à pente élevée jusqu'au village de Vireux. Mais pas plus, quoi. Donc, du coup, lorsqu'ils vont arriver, sûrement, c'est des orques qui vont exterminer le village qui se trouve à leur disposition, quoi. Et sinon, c'est ça. Vu qu'ils vont monter, on met de l'huile sur le sol. Et dès qu'ils passent, ils glissent, et là, on met le feu. Et ils brûlent tous. C'est une idée barbare, ça. Tiens, tes orques, hein, dans le cul la balayette, hein, avec le manche et l'étiquette. Les orques, et voilà, et ça y est, ils sont tous tombés, et voilà. Ah, ils brûlent tous en enfer. Voilà, facile, non, les gars? Bah, comme vous voulez. Voilà, ils sont obligés de passer. Mais il faut envoyer des gens pour prévenir le reste du royaume. On va pas arrêter 500 orques. Bah, mais ceux qui partent, le truc. Et en plus, je vous rappelais que vous n'avez pas trop de nourriture. Je pense que ceux qui ont été envoyés en premier pour prévenir le village sont ensuite tout de suite. Si on t'entend, Isa, mais personne ne veut te D'accord, ok. Bah, si on te répond tous, c'est toi qui nous écoute pas. Tu nous entends pas? On t'a tous les trois répondu. Tu l'as vexé. Tu l'entends, Isa? Non. Bon, il nous reste combien de temps avant qu'ils arrivent là? Parce que le temps qui se réorganise, etc., vous avez peut-être devant vous une bonne journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars, pendant cette journée-là pour préparer les défenses? En plus de ça, faire des pièges. Hein? Alors, en plus, vous avez quand même. Vous avez éliminé quand même pas mal d'orques, hein. Si vous avez fait le calcul, en tout cas moi je l'ai fait, j'ai tenu le compte des orques tués. Il y a bien une bonne vingtaine d'orques qui ont été tués pendant cette bataille qui a duré 7 minutes. On a éliminé les meilleurs, quoi. Je pense que c'est plus que 20, hein, parce que 25 exactement. 25 exactement. J'ai calculé. C'est bien, bah il en reste plus que 460. C'est ça. Et on n'a pas de catapulte. Et vous n'avez pas de catapulte, donc il va falloir comment effectivement. Comment on va faire pour préparer les défenses? Est-ce qu'il y a une compétence pour ça ou un truc Ta compétence, c'est ta propre imagination, donc si tu as des idées, je les note et on va voir comment on va s'organiser après. Mais déjà, dites-moi un petit peu comment vous voulez organiser les défenses de la ville de Vireux. Au mieux. Alors, quel projectile on peut envoyer? Je crois qu'on avait vu qu'il y avait du foin, donc on peut faire des comment ça s'appelle, des passages qu'on pourra enfler. On vient d'arriver, ils étaient derrière nous, il n'y a pas beaucoup. Ils arrivent 2 heures, 3 heures, enfin, ils vont peut-être. On a dit pas le temps de.
Alors, quelqu'un peut traduire. Non, il n'y a pas de raison qu'elle disait. La dame te dit qu'il n'y a pas de raison qu'il mette énormément de temps pour arriver. Ping. C'est mon casque, ah. Pardon. Je crois que le problème de Stéphane n'est pas encore réglé. Apparemment, on a présumé qu'ils avaient occupé le fort. Ils restaient au moins la nuit et repartir après. Et ils vont arriver, ils seront là. Si tu peux pas dormir dans le fort, ils vont. Et j'entends pas tout ce que tu dis. Moi, j'ai trouvé Ninuel est malade. On la déguise en je sais pas quoi qui est aimé par les orques. Elle tourne autour du fort. Ils la suivent et nous, on tue les orques au passage. Alors écoute, j'envoie un SMS à Gaël. Je lui demande s'il est d'accord. On lui met des oreilles de lapin. Puis elle fait le lapin devant les lévriers. Voilà, tu vois, elle court et puis nous, on tue les orques et essaie de la tuer. C'est pas mal, ça. Hein, c'est pas mal, hein. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le système. On va simuler en fait la bataille qui va avoir lieu à Vireux. Bon, il y aura des choses qui vont effectivement arriver, mais ça marche avec des points de victoire. Plus vous faites des choses, plus vous avez des idées, etc., et plus vous éliminez d'orques, etc., et plus vous avez des points de victoire. Et à la fin, avec les nombres de points de victoire que vous avez, on détermine l'issue de la bataille. Je préfère le dire avant qu'il y ait des problèmes. Et si on faisait des rochers qu'on pouvait faire rouler par le chemin, parce qu'il est en pente, non? Ouais. Le chemin est en pente, ouais. On essaie de monter des rochers pour pouvoir les balourder, les faire descendre quand ils arriveront. Ouais. Alors vous aurez même pas besoin en fait de les remonter ou certains quelques-uns, mais il y a déjà en fait quelques, comme c'est une falaise en fait, ça a été assez dégrossi au niveau de la surface où se trouve le village, mais il y a encore quelques endroits où vous pouvez effectivement trouver des gros rochers. Que vous pouvez faire rouler le long de la pente qui mène jusqu'au bas du chemin en fait. Donc le coup des rochers, ça peut être effectivement un bon palliatif pour les défenses. Un liquide inflammable sur le chemin, non? Pour qu'ils montent, ils vont se brûler les pieds. Ça va être désagréable. Ouais, on peut mettre du foin sur le chemin. Ouais. Alors vous pouvez effectivement, vu qu'il ne pleut pas et que la route commence à devenir vraiment très sèche, à mettre du foin sur la route qu'il y a. Ça veut dire en fait utiliser tout le foin que dispose en fait l'écurie et puis. Pas juste du foin, c'est moyen. Il faudrait réquisitionner de l'huile. Oui. De l'huile à lampe, oui. Un peu partout dans. Oui. Foin plus huile peut fonctionner effectivement pour la défense aussi de la ville. D'accord, je le note. Ça va brûler longtemps. Ça va pas brûler longtemps, mais une flèche bien placée, enflammée, quand ils seront bien montés sur le foin, va embraser le foin et les gens qui seront les orques qui seront dessus. Donc ça c'est effectivement une bonne idée aussi. Ils ont pas de feu grégeois. Non, ils ont pas de feu grégeois. Ça serait bon, ça. Non, est-ce que quelqu'un parmi vous a des notions d'alchimie ou de choses comme ça qui pourrait permettre de faire du feu grégeois? Et j'ai effectivement de l'alchimie. T'as alchimie? Ouais. Je suis un skill dangereux. Alors, il y a un herboriste dans la ville qui peut effectivement te donner quelques. Tu t'aperçois qu'en fait, chez l'herboriste, il y a de quoi faire avec l'huile que vous disposez du feu grégeois, en fait. Il va falloir pour ça. Je m'attelle à cette tâche. Cagliostro, ouais, voilà, ça va te prendre deux bonnes heures pour faire cela. Avec un jet effectivement réussi ou pas, c'est à dire que si tu réussis ton jet, tu mettras que 2 heures, si tu le loupes, tu en mettras le triple, mais tu réussiras quand même, mais beaucoup plus longtemps, c'est à dire que dans 6 heures. Alors je note. Quand les orques seront arrivés, ils auront tout détruit, tu auras fini. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué.
Donc tu mets 2 heures effectivement pour constituer la formule qui fera du feu grégeois. Et est-ce que ceux qui partent, ils pas, tu sais, au bout d'un certain temps, je sais pas si, qu'est-ce que vous en pensez les amis, faire un bruit du genre, tu sais, ils prennent une cornemuse et ils soufflent, faire croire qu'il y a du renfort qui arrive. Et au bout de 2 heures, on entend. Tu veux dire un bruit qui viendrait de la forêt en disant les renforts arrivent, c'est ça Ouais. Ou à l'intérieur de la de Viru. Bah dans la forêt parce que ça arriverait du côté de. Je sais ouais, pas ça où, ça veut dire que tu laisses quelqu'un avec une corne de brune. Mais ceux qui veulent partir, ils partent et on leur file. On envoie Timor avec la corne de brune. Parce qu'il y en a qui voulaient partir, non? Ah, mais faut qu'il y ait bah, en fait, tu t'aperçois que. Excuse-moi, Isabelle, je te coupe. Il y a quelqu'un qui parte pour prévenir. Oui, il y a quelqu'un qui. Enfin, mais vous apercevez non, en fait. A priori, moi, ce que je pense, c'est que ceux qui sont déjà partis en avance oui, pour arriver à Virus sont ensuite aussi repartis pour continuer à prévenir après. Bah, en fait, les gens de Virus. Peut-être les gens de Virus. Des gnomes en cours. T'es complètement coupé, Isabelle. Pas tout. Isabelle, on n'a pas entendu tout. Hein. Que nous, quand on est venu, on a été attaqué par des gnomes. Là, quand on est arrivé à Vitruc, on a prévenu que on est. Il l'a découvert, donc c'est que les soldats qui sont partis avant nous, ils sont. Ah, oui, ils sont. Viens tu peux traduire, moi, Xavier. Alors, quand ils sont arrivés. C'était long, Xavier, hein, une grande phrase. Elle va se mettre à côté de moi, comme ça, vous entendrez sur mon micro. Ouais, c'est mieux. Vas-y, viens là. Sinon, je veux bien prendre 2 minutes avec Isabelle pour régler son micro, parce que je pense savoir d'où ça vient, en fait. Ah, tu pourras lui dire, mais... Bah, donc, je vais prendre 2 minutes pour le faire. Isabelle, tu m'entends? Attends, elle est pas encore là, elle s'approche de moi. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Isabelle? Dis-le. Et Stéphane va te faire régler ton casque. Donc, je disais que les gars... Je disais que les gars qui étaient partis en avant, les soldats qui étaient partis avant nous, a priori, ils sont pas arrivés à Vitruc avant nous, parce que le bourgmestre a découvert, on lui a dit qu'on était attaqués par les orques. Donc, ces gars, soit ils ont disparu, soit ils ont continué tout droit, mais on n'en sait rien. Tout à fait. Et vu que nous, on avait été attaqués par pas mal de choses en venant, peut-être qu'il y a d'autres gens qui se lèvent. Mais de toute façon, il y a d'autres gens qui partent de Vireux. Certes, des gnomes, des orques, etc. Il y a peut-être des orques déjà dans les forêts, donc il faut. Ou il y a aussi faire quelque chose. Les gardes qui étaient partis pour prévenir ne sont pas passés par Vireux, mais ont été directement vers à Clerval pour prévenir. Quoi. Mais peut-être aussi. Non, mais de toute façon, ouais, vous en êtes c'est la cinquième fois que je le dis, mais les gens qui partent de Vireux là, parce que t'as dit qu'il y en avait qui partaient de Vireux. Ouais. Ils peuvent aller prévenir. Oui. De toute façon, vous voyez, il y a pas de souci quoi. Comme je vous le disais, il y a comment quelques personnes qui commencent à atteler leur carriole. Donc Stéphane, Isabelle t'entend si tu veux. Alors on va régler ton micro, Isabelle. Je pense que ça vient en fait d'un problème de réception. Donc tu vas aller dans. Alors, attends, faut que j'ouvre bien correctement mon TeamSpeak. Tu vas aller dans Outils. Si c'est en anglais, c'est Tools. Ou Sitting. Ah, elle sait, elle le sait. Dans TeamSpeak, oui, TeamSpeak, ouais. Dans TeamSpeak. Elle est dans Outils, là, déjà. Ouais. Ok, donc tu vas dans les options, tout en bas. Ouais. Tu cliques dessus, ça va ouvrir une fenêtre. Alors, attends, la mienne n'est pas ouverte. Voilà, c'est bon. Donc là, tu as sur ta gauche application, My TeamSpeak, lecture, capture, etc. Tu vas aller dans lecture. Va dans lecture. Elle y est. D'accord. Ah bah tiens, moi j'ai un. Lol. Oui. Alors, dans lecture, tu as. Alors, c'est pas lecture, c'est capture. Oui. Voilà, donc capture. Tu as 3 options. Appuyer pour parler, transmission continue, détection de l'activation vocale. Lequel est branché chez toi? Détection
de l'activation. Ah, voilà, donc c'est là que ça devient. Ton truc est à zéro, la petite barre, en fait, est une réglette, en fait, en bas, et c'est à zéro. Il est à 20 là. Il est à 20. Ouais, bah, il faut que tu le baisses à moins 40. Mais là, à moins 40. Tu fais appliquer. Moi, je le mets à moins 15 et ça... Ok. Pose pas de problème. Et voilà. Ça, et là, c'est bon. Et là, tu vas voir, et là, tu vas... vous m'entendez ? Eh ben oui, on t'entend. Oui, oui. Bon, bah super. Voilà. C'était un problème de détection de ta voix, en fait. Voilà. Non, pourtant, on avait regardé ça la semaine dernière. Ouais. Toi, nos voix trop basses. Mm. Voilà, donc en ça. Fait, tes fins de phrase qui baissent de volume, effectivement, n'étaient pas entendues. Donc là, maintenant, attends, vous allez entendre toutes nos voix en double. Parce qu'on est l'un à côté de l'autre, vous allez entendre de l'écho. Non, mais ça je vais repartir. Magnifico. Magnifica. Bon, c'est attends, cool. Moi, je suis à combien, là? Je regarde à combien je suis, moi. C'est cool, on a pu régler les micros, c'est déjà ça. On n'a pas perdu notre soirée. Ouais, moi, je suis à moins 20, ouais. Alors, du coup... le plus simple, c'est que vous mettiez en push to talk, mais après, bon, c'est vrai que des fois, tu oublies de l'activer et tu parles pour rien, des fois. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive, ça, par contre, en réunion, des fois, par contre, moins 40, c'est trop bas. Moins 40, c'est trop, hein. Passe à moins 25. C'est trop. Parce qu'on entend tout, là. Parce qu'on entend tout, ouais. On entend le souffle du vent, on entend tout, là. Mets-le à moins 15, comme a dit Louis, avec sa grosse voix, je pense que... Moins 20, c'est le... moins 15. Oui, mais je baisse pas ma voix en fin de phrase. Ok, ça marche. Okay. Donc il faut qu'elle parle comme ça. Ouais, salut de... Alors, j'ai noté donc les rochers pour la défense, le foin plus huile pour la défense, le feu grégeois... Certaines... Je cherche de quoi renforcer la porte principale. Ah, entendons plus les fins de voix. Ça y est, on a perdu Antoine. Antoine, ce qu'il faut faire, il faut terminer haut. Antoine, je t'entends pas les fins de tes phrases. Ah bon ? Mm-hmm. Voilà, je t'entends. On a perdu Antoine. Vous entendez pas mes fins de phrases ? Si, ça y est, là, je t'ai entendu. Mais peut-être que t'avais arrêté de parler, alors je sais pas. Donc à chaque... Sinon, okay. Moi je pensais faire un truc aussi, c'était de mettre un truc sur lequel on pourrait tirer qui prendrait feu autre que le la foin. Paille sur le chemin, mais plutôt dans les arbres, quoi. Faire prendre un feu la forêt, même si ça me déchire le cœur. Ouais, enfin. On est quand même au milieu de la forêt. Hein, vous êtes au milieu de la forêt, oui, il y a de fortes probabilités. On est sur une petite montagne, il n'y a pas d'arbres autour de. Ouais, non, t'as pas dit qu'on si, était... si, si, tout à fait, il n'y a pas d'arbres, vous êtes en falaise. Donc effectivement, vous pouvez embraser des arbres qui se trouvent en bas de falaise, oui. Et voilà. Tout le bois de Myrviel à distance. C'est ça. C'est ça, je vais pouvoir refaire la carte. Attends, avec, il n'a pas plu pendant diluvien, enfin, ça va brûler et ça va peut-être s'arrêter assez rapidement quand même, non? Peut-être. Oui, je pense aussi. On peut considérer ça. Oui, on peut considérer ça aussi. Donc, plus c'est un druide qui nous dit ça, c'est que ça peut être une idée. Ouais. Ah bon? C'est le druide qui propose. Hein. Bah attends, si c'est un druide qui propose de brûler la forêt, je pense que. Non, mais ce que je dis juste, c'est de mettre à certains endroits qui nous semblent stratégiques un truc qui peut prendre feu et qu'on mettrait feu si besoin. Ah, vous pouvez effectivement, au lieu de foutre le feu à la forêt, foutre le feu dans des broussailles ou des choses comme ça, oui. Voilà. Voilà. Des endroits stratégiques. Qui... Voilà, complètement, ouais. Qu'est-ce qu'elle est malée? Ça, ok. Alors avant que les premiers. Ils vont peut-être s'en grouper à un endroit. Je disais fait, aussi que certaines personnes commencent à prendre la fuite en chargeant leur carriole de ce qui leur reste comme affaire en fait. Et donc ces gens-là sont en train de partir en fait. Avec quelques gardes, avec deux gardes en fait, qui sont encore vaillants, pour prévenir Clerval. Alors, okay. Est-ce que c'est certains d'entre vous sont blessés? Oui, à part ça, après. Non. D'accord. Oui, je crois un petit peu. Oui, Tilly, combien? Si, je suis... Attends, est-ce que j'ai des blessures? Tu vois ça? Ah oui, Tilly, oui. Sur ta feuille de personnage. Oh non, j'ai des blessures non létaux et des blessures. J'ai plus qu'une blessure. Je vais la soigner, Tilly. Et du coup, je vais en profiter pour essayer de ramasser des baies et les enchanter. D'accord.
Vous pouvez donc comment les soldats fatigués de la bataille de Fort Boueux sont conviés en fait vers 10h du matin pour prendre un bon repas en fait au grand hall de Vireux. Vous êtes bien évidemment aussi conviés, vous voyez que certaines femmes encore présentes dans Vireux ont commencé à faire à manger pour toute cette petite garnison de personnes. Donc avec vous qui êtes quatre, parce que pour l'instant Ninuel est dans un sale état, on a à peu près 10 gardes. Deux gardes sont partis avec certains habitants un peu plus, comment dire, les habitants les plus vieux, etc., qui n'apporteraient rien en fait à la défense de Vireux. Donc sont partis, vont partir en début de matinée, en début d'après-midi plutôt, vers 2h, vers 14h sur Clairval. Donc il vous reste au total 10 gardes, donc des gens entraînés, hein, vous, et puis une dizaine de personnes qui seraient prêtes à donner pour l'instant main à la pâte pour aider contre les orques qui arriveront. En tout, vous êtes 24. Okay, donc Stéphane, je te disais que je cherchais des choses pour renforcer la porte. Alors, vous avez beaucoup de chance. Apparemment, il y a une carriole qui est arrivée en fait chargée de bois et des grandes planches en bois qui pourraient effectivement aider à la défense du portail en fait, à bloquer en fait l'issue en bloquant des poutres de bois, des grosses poutres en bois en fait derrière. Donc vous pouvez effectivement bloquer la porte d'entrée. Qui se charge de ça? Alors Cagliostro peut pas te donner d'aide pour l'instant, il est en train de... D'accord, ok. Donc Croril, tu bloques la... Oui. Et moi je fais mes trucs là, si... Toi tu vas à l'extérieur et tu vas commencer à chercher en fait... Faire des pièges. Où je peux mettre de l'huile que je peux enflammer à distance, ou un truc comme ça. Tu veux faire des pièges... Alors c'est pas une mauvaise idée. Tu peux effectivement poser des pièges. Tu as les accessoires et les outils nécessaires à la construction de ce genre de choses. Donc tu vas me faire un jet en survie. Si tu le réussis au-delà de 15. Survie à tes pièges. Non. Mais c'est en milieu naturel, donc je crois que j'ai encore un plus 2 en plus, non? Je sais pas. Non, t'as un plus 2. Ouh, c'est tout juste, ouais. Mais en 2 heures, tu arriveras donc à construire. Alors en 2 heures, on va être 5 pièges du style piège à loup qui pourraient être utilisés effectivement pour dans la forêt ou sur camouflés par du foin, etc. sur le chemin. Si tu me dis où tu vas les mettre en fait. Donc t'as 5 pièges. C'est des pièges à loups ou c'est quelque chose qui va s'enflammer? Ce que je pensais faire moi, c'était de mettre caché dans des endroits des barriques ou un truc comme ça d'huile que je pourrais envoyer une flèche avec une mèche en tissu qui déborderait. Alors, et je pourrais envoyer une flèche enflammée dessus pour à distance les faire prendre feu. D'accord. Alors le problème c'est que tu vas pas pouvoir, on va dire, en faire beaucoup. Puisqu'ils n'ont pas un stock d'huile énorme, et le stock d'huile est déjà utilisé pour le foin, etc. Et il te reste donc 2 barils que tu peux utiliser pour en fait mettre. Tu sais, J'en fais avec de l'huile, et puis je fais un truc qui me permettrait de. Tu sais, des herbes sèches, si j'arrive à en trouver par le temps diluvien, même sans huile, pour que ça puisse prendre. Oui, donc avec un tissu dessus. Pour faire exploser le baril, prendre en fait. Mais prendre feu. D'accord. Donc, Non. Enfin, en fait, ce que je peux faire aussi, c'est un début de feu. Je mets toutes les brindilles, toutes les branches, un tissu, un bibi d'huile. Ouais. Et je tirerai, ou d'alcool, ou je sais pas, et je tirerai une flèche dessus pour D'accord. que ça prenne feu. Positionner correctement pour que les orques, effectivement, lorsqu'ils arrivent, se prennent ça dans la tronche. Quoi. Voilà, il faudrait qu'ils passent dessus, que je tire à ce moment-là, que j'arrive à faire mon tir et que ça prenne feu.
Il faut pas que tu loupes ton tir, c'est surtout ça en voilà, fait. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que je veux pas mettre toute l'huile là-dedans, mais l'idée c'est de préparer un feu et pouvoir l'allumer à distance, quoi. D'accord, donc feu à distance. Ok, ça marche. Avec flèche enflammée. D'accord. Bon, bah tu réussis à faire tout ça. Donc aucun problème pour ça. Ensuite, d'autres personnes ont des idées, peut-être. Donc ils vont devoir passer sur la falaise, ils vont devoir passer sur la route. Voilà. Ils vont devoir. On avait dit préparer des grosses pierres qu'on pourrait pousser après. Donc, ouais, après, mais ça on peut même après, peut-être démonter certaines maisons à l'intérieur pour balancer des rondins de bois là. Les maisons sont en rondins de bois, non? On a peut-être pas trop le temps de monter des pierres et tout ça, mais peut-être. Il y a déjà des pierres. Il y a déjà des pierres. Il y a déjà des pierres dans la. Il y a déjà des rochers en fait. Stéphane a bien. Mais ça, des pierres et puis des grands rondins de bois, parce que ça prendra aussi, peut-être. Il n'y a pas vraiment de rondins de bois, à part évidemment si tu démontes les maisons. Ouais. Mais il y a des planches en bois, en fait, qui sont utilisées en ce moment même par Croril pour bloquer, en fait, le portail. Ouais, mais les planches, ça roule pas. Enfin, non, les planches, ça roule pas. Est-ce qu'il y a des rondins, hein. Non, il n'y a pas de rondins. C'est bien, mais s'il n'y a pas de rondins... Faudrait démonter une partie... Il y a des maisons qu'on pourrait démonter pour faire ça. Ou je suis pas sûr que les habitants... ça dépend, ils préfèrent mourir ou ils préfèrent... ou démonter une partie de la palissade, par exemple. Ouais, non, ça c'est peut-être moins intéressant. Bah, ici, vous avez des rondins de bois qui sont possibles. Oui, mais s'ils ont été mis ici, c'est peut-être une bonne raison, quand même. Oui, c'est pas faux. Allez, j'ai un problème avec mon casque. Non. Et sinon, on va falloir aussi essayer de s'occuper des mecs bizarres, là, non? Qui risquent d'aider les autres. Ceux qui avaient des bâtons, là. On a vu sur les barques. Moi, j'ai rien vu. Les mages, les chamans. Les chamans. Ouais. Comment on pourrait les perturber, eux? Je sais pas. Leur envoyer du parfum? Les autres, je pense qu'ils aiment peut-être pas le parfum. Deux haches entre les deux yeux, ça les perturbera. Ouais, c'est bon. Ah tiens, j'ai une autre idée. Pareil, avec l'histoire à défense, est-ce qu'on pourrait pas mettre des sortes de pièges avec des... Tu sais, des rondins qui seraient suspendus et on tirerait dessus, ça ferait balancer le rondin, tu vois? Ça ferait bing, bing, ça ferait une balance en plein dans la tronche. Ah mais ça je veux bien le construire, mais il y a un risque que ça nous arrive. De faire ça dans la ville, c'est-à-dire faire des pièges non, en non, même dans temps la, dans, en bas, dans la forêt, mettre faire ça pour qu'on puisse le... Si par rapport au chemin, il y a un endroit où on pense qu'ils vont forcément passer, ce serait peut-être pas mal de faire ça et après... T'imagines bon, 200, couper une corde 200, avec une flèche, ça va être 250 orcs qui vont passer, à mon avis, ils vont pas passer que par le chemin, quoi. Ils vont passer aussi dans la forêt, donc effectivement tu peux oui, mais c'est pour ça tu peux des... tu peux peut-être effectivement faire des pièges comme ça. Des pièges dans la forêt, des pièges à fosse, des pièges à bascule avec des rondins. Un piège à bascule, je pense. Ouais, un piège à bascule avec des rondins. Ça, avec je vais des rondins faire ça avec à la Ewok, quoi. Ouais, allez. D'accord. Alors autre chose. Vous estimez à peu près l'arrivée des orques. Donc là, on est à peu près, on va dire, midi. Vous allez prendre un petit peu de repos. Le fait de rassembler les orques, etc., et de venir marcher sur Vireux, ça va prendre aux orques à peu près une journée, j'avais dit. Donc ça veut dire qu'ils seront là demain soir. Donc ils vont arriver la nuit. Pourquoi on pense qu'ils vont mettre autant de temps? Parce qu'ils sont nombreux, qu'ils sont d'accord. Obligés de se rassembler, le fait de se rassembler après, il faut organiser les attaques, et que de toute façon les orques ne se déplacent que... Le temps de prendre possession du fort aussi, quoi. Le temps de prendre possession du fort, et que les orques de toute façon sont sensibles à la lumière. Ah bon? Oui, et donc ils n'attaqueront pas de toute façon... De jour, ça c'est clair, où ils attaqueront comme ils ont fait là au crépuscule, mais pas le matin ni l'après-midi. Ils attaqueront de toute façon le soir. Ah bon, on pourrait brancher quelques projecteurs alors. Oui, trouver des lucioles. Des lucioles. Et...
On a des idées, on a des idées. Ouais, ça, oui, vous avez des idées, hein. Et t'as pas un sort de lumière naturelle, un sort qui fait le soleil, Cagliostro, non, t'as pas? Et qui dure 24 heures. Oui, bah, et puis une grosse boule de feu en fait gigantesque, on y pensait aussi avec l'urne, en fait. Oui, ça, ça serait pas mal. Ouais, ça ouais, serait ouais. pas mal aussi. Apprécié. Ouais. C'est trop subtil pour urne, ça. Non, 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 j'apprécie j'ai la boule de malheureusement feu. Que des, je trouve ça très bien. Des sorts minimes. Alors attendez, j'ai sauté ma page là. Ouais, alors, hop là. Donc du coup, vous prenez donc la journée pour faire tout ça, poser des pièges. Par contre, pour poser les pièges dans la forêt, est-ce que tu y vas toute seule, Tilline, ou tu... Bah non, je vais demander l'aide de quelques personnes, puis je vais avec Timor, évidemment. D'accord. Et je vais bien aider, moi. Alors, Urde et Tilline, ainsi que quelques villageois, vous allez dans la forêt poser des pièges. Je vais demander donc à Tilline, d'abord à Urde, de me faire un jet de... Un jet de survie des D10. Survie... Attends, c'est... Alors... Ah, je suis un survival. Oh, ah bah, okay. Bien réussi, t'as vu. Donc tu ne bénéficieras pas, malheureusement, de l'aide de Yurt, qui ne comprend rien à ce que t'es en train de faire, Tidine. Pourquoi tu plies la branche comme ça? Et donc du coup, les villageois, eux, t'aident d'après les indications que tu donnes. Mais malgré les indications que tu donnes à Urd, Tilline, Urd n'a pas l'air de comprendre. Il a fait un... Tu veux que je la coupe? Tu veux que je la coupe là? Il a fait une jolie... Moi, attends. Il a fait une... Attends, porte. Porte ça, c'est bon ça. Voilà, il porte. Coupé, coupé. Là, il a fait des, une jolie poupée avec des feuillages et des brindilles. Poupée vaudou, très bon. Donc du coup, tu vas me lancer donc, Tilly, un jeu de survie, s'il te plaît. La pose des pièges te prendra 2 heures. Et tu arrives à poser l'équivalent d'une dizaine de pièges, un petit peu partout sur le chemin, dans la forêt, etc. Là où peuvent passer les orques, d'accord? Donc à chaque effectivement tentative de piège, il y en a 10, il y a des orques qui seront pris dedans, plus ou moins, ça va dépendre. Après ça va être avec la chance. Donc je récapitule un petit peu. On a des rochers pour la défense qui seront roulés jusqu'en bas de la pente qui mène au chemin en bas. On a du foin plus de l'huile pour aussi la défense. On a du feu grégeois qui est en train d'être fait. D'ailleurs, à midi, Cagliostro, tu as Je fini. Mange. Voilà. Tu as fini de faire ton feu grégeois et tu manges avec les autres. Avec le feu grégeois. Du feu grégeois. Barbecue. Du feu dans les broussailles. Vous avez posé des pièges et le baril de flamme à distance pourra être utilisé lorsque les orques arriveront. Donc voilà tout ce que j'ai noté. Si j'ai loupé les choses, la consolidation de la porte, bloquer la porte, bloquer la porte pour mettre le feu. T'as oublié la boule de feu aussi. Quelle boule de feu? Oui, la boule de feu que je fais en même temps que la pluie de météorites. Oui, mais avec la colonne de feu, bah oui, bien sûr. Non, la colonne de feu, c'est Sucroril qui fait ça. Et la barrière repousse orques aussi. La barrière repousse orc. Avec le golem de fer. Ouais, voilà, il a créé quelques golems de fer pour nous aider. Une vingtaine. En 2 heures. Alors, bloquer la porte avec les rondins, ça c'est fait. Ok. Donc, effectivement, les orcs vont avoir beaucoup de mal à... Les pierres, on va les balancer de la barrière, là, c'est ça? Vous allez les rouler, en fait. Oui. Et alors, attends, parce que si on a bloqué la porte, comment on sort pour... Ah, ça, c'est pas moi. Moi, je note ce que vous faites, hein. Après, c'est tout, hein. Non, mais... moi, c'est quand ils enfonceront la porte, donc après avoir mis le feu sur le truc, on aura les feux. À bloquer la porte après avoir poussé les pierres. Il y a l'écho, là, auprès d'un autre. Mais non. La porte sera enfoncée deuxième fois, et après, on a les pierres. C'est vous qui vous organisez. Oui, hein. Oui, je vois, ouais. Les pierres, oui, on les lance, oui. Ouais.
Oui, il faut que la pierre soit... faut que la porte soit barrée après qu'on ait fait pousser des pierres. Ouais. On peut bah sinon, on les balance de la palissade. Hein, mais... Ah, il faut quand même laisser rentrer un ou deux qu'on puisse user les découper quand même, hein, sinon ça peut être marrant. Est-ce qu'on peut monter sur les palissades, Stéphane? Alors il y a, en fait, ce sont des espèces de petites tourelles de chaque côté en fait, des tourelles en bois en fait, mais tu ne peux pas faire le tour en fait de Vireux par les palissades parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de rempart en fait. Hein. Il y a juste deux petites tourelles de chaque côté de la porte pour que les gardes puissent en fait une sorte de guérite en fait, tu vois. Il y a deux petites guérites de chaque côté de la porte, mais il n'y a pas de on peut pas se positionner sur les remparts en fait de Vireux parce qu'il n'y en a pas. On peut aussi empiler des tonneaux pour pouvoir faire un troisième emplacement. Enfin, tu vois, il y a un... on puisse surplomber un peu le chemin. Attends, je plisse très fort les yeux pour essayer de comprendre ce que tu viens de me dire. Parce qu'il n'y a que deux petites guérites, donc oui. Ça fait pas beaucoup de gens qui peuvent aller dessus. En fait, tu veux empiler des tonneaux derrière la palissade pour que les gens puissent être derrière et tirer des flèches. Voilà. D'accord. Ok. Ou balancer alors, des rochers éventuellement, mais bon, c'est pour monter des rochers, ça va être compliqué. Alors, effectivement, vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans les maisons, des tables, des choses comme ça. Il reste encore quelques planches en bois qui permettraient effectivement de pouvoir mettre une planche entre deux, on va dire, deux tables ou autres, pour faire quelque chose d'un peu surélevé et que les gens puissent se mettre sur les. Effectivement sur les planches en bois quoi. Je suis oui. Faut pas non plus qu'ils soient trop nombreux parce que je pense que ça va craquer rapidement. Mais deux personnes peuvent tenir effectivement sur une planche de chaque côté, ce qui ferait environ 2, 4, plus deux personnes dans les guérites, 6 personnes près de la porte. Voilà, il faut pas que ce soit trop haut parce qu'il faut qu'ils puissent se planquer derrière. C'est ça. Après, il y a les toits des maisons qui peuvent être utilisés pour les gens qui ont des armes à distance pour pouvoir se mettre en hauteur et effectivement tirer. Vu que c'est en contrebas et que les maisons sont des fois un peu plus hautes, que certaines maisons sont un peu plus hautes que la palissade, vous pouvez effectivement utiliser le toit des maisons, le fait des maisons en fait pour vous positionner dessus et afin de tirer sur les orques qui arriveront en bas de la pente. Ça oui, je peux le permettre. Après on verra comment vous positionnerez. En tout cas, il est midi. Tout le monde est en train de discuter autour d'une grande table en fait avec tout le monde est en train de discuter, de manger, etc. C'est la fête. C'est pas vraiment la fête, hein, c'est une espèce de c'est voilà, les questions se sont posées autour de la table. Comment on fait pour les femmes et les enfants? Est-ce qu'on les évacue? Il reste encore des gens à évacuer. Donc toute cette question sont posées autour du déjeuner en fait. Faudrait qu'ils se décident avant que les orques arrivent quand même. Ben ils ont encore, vous avez encore une toute la journée d'aujourd'hui et toute celle de demain en fait, puisqu'ils arriveront que demain soir. Donc enfin logiquement, après il peut arriver des choses. Voilà. Arriver des choses. Je vais pas tout dévoiler quand même. Alors. Il faudra bien un moment ou un autre, mais pas tout de suite. C'est ça. Bah, le plus tôt est le mieux, hein. Parce que là, on est prêt, là. On est prêt. Vous êtes prêt. Ok, prêt. D'accord. Vous êtes prêt. Ben, écoutez, si vous êtes prêt, si vous avez plus d'autres idées, si vous voyez plus rien d'autre à gérer. Je vais faire avancer un peu le temps, faire une ellipse, en disant que ben les gens, la plupart des femmes et des enfants, ont, la décision du bourgmestre a été de les évacuer. Donc la plupart sont évacués avec deux gardes. Donc vous voyez partir des carrioles remplies de femmes et d'enfants, enfin remplies. Il y a une dizaine de maisonnées, donc il n'y a pas non plus
15 000 femmes, mais il y a au moins une dizaine de femmes, plus au moins une vingtaine d'enfants, en fait, qui sont évacués grâce à des carrioles, et guidés. Rufus part aussi avec eux, parce que Rufus a proposé sa carriole pour transporter des enfants, puisqu'il n'y a pas assez de carrioles. Donc certains sont encore à pied, et vous voyez donc cette petite caravane très émouvante partir en fait de Vireux. Les hommes disant au revoir à leurs femmes dans des embrassades très émouvantes. Les enfants qui ne veulent pas partir, qui sont accrochés aux jambes de leur père. Et malgré tout ça, effectivement, des larmes coulent le long des yeux des enfants et des femmes qui doivent partir de Vireux. C'est triste, hein? Oui. C'est déchirant. C'est vrai, je sais. Ça déchire. Non, c'est pas ça. Pardon. Du coup, eh bien, l'ellipse, je la fais. Et vous... Comment vous organisez pour la nuit qui vient de tomber? Brutalement. Il faut qu'il y ait des gardes qui surveillent. D'accord, donc vous mettez combien de gardes à combien de gardes vous mettez en fait à surveiller Vireux? T'as dit qu'ils étaient combien? Ils sont 10. Et il y a une dizaine de personnes avec vous, donc c'est pas forcément que des gardes qui peuvent surveiller, mais aussi des gens du village. Le village people? Comme disent, oui, les gens du village, village people. Celui qui me chante la chanson, je le banne à vie sur le TS. Ah, Xavier, il commençait à ouvrir. Il était prêt. Ah, j'étais. Il s'était levé de sa chaise et il commençait déjà à faire les gestes. Voilà. Il se préparait à la chorégraphie. Il s'est même changé. Prochaine fois, on joue avec AWPM, hein. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ça. Je sais pas si c'est malheureusement. Bah, je sais pas, on peut faire 4 personnes qui surveillent la nuit, ça devrait suffire. De toute façon, probablement qu'ils n'arriveront pas cette nuit. Donc, deux professionnels et deux gens du village. Ou 4 gardes. Voilà, ouais. Comme vous voulez. Non, 4 gardes. Il faut qu'ils puissent se reposer, les gardes. Moite. Ok, donc deux gardes sont. Ouais, je pense que ce serait mieux de faire 9 ou 8, moi. Surtout pour les gens du village. 9 ou 8, d'accord, ok. Non, parce qu'ils ont plus de chances de s'endormir, ils savent pas faire une garde, etc. Et si on se fait surprendre, là, on est mort, quoi. C'est bon, 4 personnes, quoi. Ok. 4 personnes, okay. Ça fait 2 heures chacun. Je pense qu'ils risquent la mort, il y a des centaines d'or qui arrivent, okay. Je pense qu'ils sont suffisamment motivés. Hein. Oui, ils le sont. De toute façon, les gens qui restent, c'est les gens qui sont motivés à sauver leur village. Hein. Les autres sont déjà partis depuis belle lurette. Du coup, 4 gardes, enfin 2 gardes et 2 personnes du village, c'est ce que vous m'avez dit, hein, c'est ça? Moite. Ouais. Ok. Ouais. Ça permet de faire à peu près 2 heures de garde chacun, donc c'est très bien, en alternant un garde, une personne du village, un garde, une personne du village, ça permet de faire de bons tours de garde. Donc du coup, vous, qu'est-ce que vous faites? Ça s'est organisé. Moi, je dors. Donc tout le monde dort? Ouais. Ben moi je prendrai un tour de garde. Tu prends un tour de garde. Ouais. Donc j'enlève un garde alors. Ouais, mais à un tour. Hein. Oui, un tour de 2 heures. D'accord, ouais. D'accord, ok. Et d'accord. Après je me repose. Ok, ça marche. Donc tu remplaces une personne du village en fait, et puis tu vas la voir et tu lui dis en fait va te coucher, moi je prends ton tour de garde. En gros, c'est ça quoi. Ouais, je suis insomniaque. D'accord. Elle te remercie. Et puis, pendant ton tour de garde, tu vas me jeter un dé de pourcentage, s'il te plaît. Tu prends le premier ou dans la nuit? Peu importe.
Je sais pas, on va tirer où au sort. Tire un dé comme tu veux. D'accord. J'ai pas de préférence. Le dé de pourcentage, non, ce 2 dé de 10 ou... Logiquement, lorsque tu cliques sur le dé de 10, tu fais un clic droit dessus, tu as un menu contextuel qui apparaît et tu as un pourcentage qui apparaît. Vrai. Et donc tu me jettes ça dans le chat. Donc tu feras un tour de garde vers 10h du soir. 81, ok. Donc pendant ton tour de garde, Tilin, tu inspectes les environs. Tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Apparemment que c'est pas Horde. Hein. Une attaque. Intelligence. Ah oui, hein, c'est une compétence, pardon. Hop. C'est une caractéristique. Ouais. C'est pas une compétence. Ouais. Hop. Parfait. Je t'isole 2 secondes. D'ailleurs, ça c'est... Alors, il y a une idée qui te vient à l'esprit au moment où effectivement tu prends ton tour de garde, c'est que tu vois que bon, il y a quelques nuages qui sont là ce soir, mais il y a une lune en fait qui n'est pas bien pleine. Et la prochaine lune, en tant que, on va dire, druide, la prochaine lune n'en aura pas en fait. Tu n'auras pas de lune la nuit prochaine, ce qui fera que ce sera une nuit bien noire lorsque les orques vont arriver. Et là, tu te viens une idée carrément géniale, c'est que en fait, vous allez manquer d'éclairage. Vous n'avez pas pensé à l'éclairage de nuit, et vous allez vous retrouver finalement avec un assaut des orques où vous ne verrez rien du tout. Donc vous n'avez pas pensé, alors effectivement oui, le fait d'enflammer le foin etc. va donner des flammes, mais ça va être une fois que ce sera atténué qu'il n'y en aura plus, vous allez vous retrouver dans la pénombre, dans une nuit bien noire. Donc tu te dis ça, tu te dis que tiens ben, ce serait pas mal comme idée de peut-être mettre des éclairages, des torches, des choses comme ça pour le long des palissades pour voir arriver les orques. D'accord. Ça marche. Donc tu pourras dire ça quand tu seras réveillé demain matin. D'accord. Ça roule. Donc, ben, ton tour de garde finissant, tu vas te coucher, Tilin. Et le lendemain matin, vous êtes réveillé au chant du coq. C'est cela même. Bon, alors au petit déjeuner. On est... Et vous êtes au petit déjeuner en train de discuter autour d'une bonne tablée. On vous apporte à manger, de quoi vous sustenter, de prendre des forces parce que la journée va être longue et dure. Bon, en fait, ce soir, ça va être la nouvelle lune. J'ai vu ça hier soir, là, en me baladant sur les palissades. C'est-à-dire que ça va être la nuit noire, ce soir. Ah, mince. On va rien voir. On va rien voir du tout, quoi. S'ils attaquent ce soir, et parce que ce qu'on avait pensé, et ben on verra rien du tout. On faudrait peut-être mettre quelques systèmes pour qu'on voit un peu quelque chose. Si on fout le feu sur le chemin, on les aura. Mais ça va pas suffire en fait. Ça va pas suffire. Faudrait qu'on. Ah, on prépare toutes les torches possibles et imaginables. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous réquisitionnez un petit peu tout ce qui se trouve être lanterne. On en fait. C'est parce qu'il y a des armes pas loin, donc on peut sortir et puis aller chercher. Vous pouvez vous faire des torches, effectivement. C'est pas compliqué à faire. C'est pas, je vais pas vous demander des jets pour chaque torche que vous faites, ça c'est assez simple à faire. Ah, 2 secondes. C'est un appel de la CIA, de la NSA. On discute sur de sujets compromettants et donc. Ah, c'est bon. Je demande de se taire. J'ai pas entendu, vous avez dit quoi? Des bêtises, rien, c'est ça? Rien. Ouais, conneries comme d'habitude quoi. Et donc du coup, effectivement, vous réquisitionnez tout ce qui peut être bougies, candélabres, torches, et vous en faites vous-même, ainsi que lanternes, et que vous disposez un petit peu partout pour que vous puissiez voir quelque chose, surtout aux alentours du portail, en fait, où là, où vous pensez que les orques arriveront, en fait. Et non, pas du tout, ils vont arriver de l'autre côté. C'est des orques. C'est des orques. En fait, ils ont fait des montgolfières, c'est pour ça qu'ils ont été si longs. C'est ça. Et ils arrivent par voie aérienne. Voilà. Alors. Ne donne pas d'idée au maître du jeu. C'est ça, parce que moi je note, hein, j'ai mon petit carnet, je le note à la caméra, je vous le montre, pouf pouf pouf. Voilà, et j'ai effectivement tout noté. Tout noté ce que vous dites comme conneries aussi.
Du coup, que faites-vous dans la journée, en fait? Est-ce que vous faites des choses particulières? Ou vous attendez que les orques arrivent, en fait, hein? Tout simplement. Bah, on continue à faire des pièges, si possible. Hein, d'accord, enfin... d'accord. Donc, vous restez pas, on va dire... inactif à se reposer. Inactif, d'accord. C'était juste pour savoir, en fait. Ok. Bah, je vais encore faire une ellipse. Et puis... Cette fois-ci, la nuit tombe réellement. Et vous êtes, vous allez vous positionner en fait sur. Alors, hop, attention. Parce que ce soir, c'est le soir. Je vais essayer de faire une grille sur ce plan. Je sais pas si je vais y arriver. C'est beau, si, réussi. Si, j'ai réussi. Alors, c'est à peu près 1m50, hein. Je pense que ça doit être à peu près ça, 1m50, 3m, ouais. C'est encore pas trop. La porte ferait à peu près 4m. Ouais, bah c'est à peu près ça. Donc, je vais vous mettre vos tokens et vous allez vous positionner. Ah, oui, c'est vraiment petit comme village. Ah, oui, c'est un petit village, hein. Déjà au nombre de toute façon de maisons, tu t'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de maisonnées. Hein. Ninuel, j'enlève du combat tracker. Elle est vraiment alitée, hein. Vraiment malade. Elle n'arrive pas à se lever. Elle voudrait bien vous aider, mais ne peut pas. Et Cagliostro. Voilà, donc tout le monde est présent. Donc vous allez pouvoir vous mettre sur cette carte, là où vous voulez. Prêt à défendre s'il le faut le village de Vireux. La nuit tombe de nouveau, une nuit sans lune, seulement les torches que vous avez pu installer à différents endroits de la palissade illuminent en fait le village de Vireux. Donc voilà ce que ça donne comme ambiance. Alors, Croril, c'est aujourd'hui qu'on va voir si ton dieu nous observe ou pas. Hein. Ouais, Gorm nous observe. Il va nous aider. Cette bataille. Alors, nous ne pouvons pas perdre. Bien pour aller à Valhalla. Valhalla, Valhalla, va par-ci, va par-là, Valhalla. La première chose que vous entendez... Oula, Tiline combat... Première ligne. Mais je vois pas nos tokens. Hein. Ah si, c'est... T'es au niveau du portail. Première chose que vous entendez... C'est je me suis pas bouché. C'est le bruit de la flèche qui vous transperce le front. C'est surtout des tambours. Des tambours de guerre qui résonnent au loin. Vous entendez donc ces tambours qui se rapprochent dangereusement de plus en plus vers vous. Bon, s'ils en voient que les tambours, c'est normal. Ouais, malheureusement, c'est pas trop le cas. Et vous voyez les géants arriver. Bah, tu te mets là, Tiline ? Il y a des emplacements spéciaux là où tu peux tirer. Bah c'est ça, non, c'est pas... Je peux pas monter sur le toit d'une maison pour tirer. Bah ça va être dur de tirer. S'ils arrivent par la porte... Mais d'accord, ok. Bah après tu peux faire le gars là-bas, si t'as peur. Ah oui, d'accord, oui. Tu voulais protéger le côté, c'est ça. Bah ouais, parce que la route, elle est de ce côté-là, on voit pas la route en bas. De là où vous êtes. Si, vous voyez, mais il y a quoi. Si, tu la vois, la route.
Si, et si, tu, coup, le, il... tu la vois, la route. Parce que la route, elle fait un coude, non? Elle fait un coude. Ils viennent du nord. Ils viennent du nord, ça fait... Ils viennent du haut et puis ils vont tourner autour du village pour arriver par la porte. C'est ça, mais il y a quoi? Il y a à peu près 10-15 mètres avant d'arriver au portail, tu vois, de la piste en bas, en fait. C'est 15 mètres, en fait, qui sont en montée. D'accord. Mais donc là, si je me mets là et après je descends, je vais là, je peux... J'aurais... Enfin, eux, ils font pas tout le tour pendant que moi, je fais ça. Non, non. Si je monte là, je commence à tirer ou à déclencher mes pièges et après je peux passer là. Ouais, tu vas être assez loin en fait. Ce qu'il faudrait que tu fasses en fait, c'est que tiens, je te file un. Alors attends, t'avais combien de pièges? J'avais noté. T'as 10 pièges et t'as un baril de flammes en fait. Alors ce que je vais te faire, c'est que je vais te donner un token et tu vas pouvoir. Tiens, je vais te mettre ce token là. Voilà. Et tu le prends et tu le mets en fait là où tu penses avoir mis le baril en fait. Tu vois? Elle est où la route là? La route, elle est en bas en fait. En bas. Tout en bas. En bas de ta carte, il y a marqué portail et c'est la route en fait qu'il y a là. Après, j'ai pas autre chose moi. Ah d'accord, je pensais qu'elle tournait autour du village, mais qu'on la voyait. Ah non pas non, sur cette ah, carte. Non, ouais, non non pas du tout non non. En fait, si tu veux, pour faire un schéma rapide de du comment du bousin là. Ah, attends. Ok bon, donc faut mieux que je la mette là si c'est le portail. Mieux que je le mette. S'ils sont arrivés à 500 là, de toute façon ils vont faire plus large que là. Alors, je peux pas faire de dessin sur cette partie, super, parce que c'est en noir, donc le fond noir sur fond noir, on voit rien. Non, je peux pas faire de. Désolé, je peux pas faire de carte. Mais en fait, donc voilà, en fait là tu me poses ton baril, d'accord? Ça c'est là, dès que tu mets une flèche dessus, boum, ça explose. D'accord? Non, là. Mais là c'est possible là, parce qu'il y a pas d'arbre, y a rien là. Là, c'est terrain rocailleux. Vaut mieux le mettre là où il y a les arbres. Mais ils vont y passer par là? Ils passeront plus de l'autre côté, en fait. Ils passeront plus sur ta gauche, en regardant la carte. Là où il y a écrit vireux. Voilà. Tu peux effectivement mettre un baril là, et quand tu vas tirer dessus, ça va l'exploser. Ensuite, pour les pièges, c'est moi qui vais les gérer, donc ils sont un petit peu partout là où vous étiez. Hier dans la journée, dans la forêt. Donc après c'est parce moi que, qui déclenche. Tu sais, je voulais faire des trucs qu'il fallait que je tire dessus pour les qui prennent feu. Bon, oui. Peut-être... Oui, des broussailles. Ouais, tu m'as. C'est ça que tu vas gérer, d'accord. C'est ça que moi que je vais gérer en fait, d'accord. Oh, okay. Parce que quand ils vont passer dessus, ça va déclencher le piège et ça va. Et voilà. Après c'est moi qui dira s'ils sont enflammés ou pas quoi. C'est. En tout cas, je me prépare. Ah bah super, génial, putain. Me dis pas qu'il me les a enlevés, putain. Bah si, il me les a enlevés. Un problème putain. Ouais, là j'ai un problème. C'est assez galère même. Ah putain, c'est pas vrai. Vous voyez arriver en bas du chemin. Ouais. Un groupe d'une dizaine d'humanoïdes s'approchant de la porte. Vous voyez que leur démarche est assez étrange. Une démarche hésitante. Comme s'ils étaient déguisés? Non. Bon, non, pas comme s'ils étaient déguisés. Menacés? Non plus. Mais maintenant que ils s'approchent de votre de la porte, c'est que vous avez mis quand même pas mal d'éclairage, vous voyez qui sont. Ces humanoïdes qui viennent toquer à la porte. Oh, des orques. Ce sont pas des orques, non. Vous voyez des gardes. Ils sont une dizaine à peu près. Ils marchent lentement.
Des zombies. Et vous avez effectivement une vision d'horreur lorsque vous apercevez que ces gardes, donc vous voyez, ils sont habillés casque, cotte de maille, épée dans la main. Vous voyez qu'ils ont l'épée qui est en bas en fait, ils la tiennent d'une main, elle traîne presque au sol. Et vous voyez donc des créatures effectivement qui ressemblent à des zombies en fait. Alors, est-ce que j'ai une image? Non, j'ai pas d'image. Les 500 orques suffisaient pas, il faut que tu lui mettes des zombies en plus. Quoi. C'est ça, je trouvais que c'était pas compliqué. D'accord. Donc je me suis dit bon bah je vais mettre quelques zombies hein. Alors 2-3 géants, un dragon, c'est bon. Bah vous avez le niveau hein. Oui. Ah, ouais. Alors attendez, hop, je vous montre quand même une petite image de ce que vous voyez. Alors, ils sont pas comme ça, mais bon, j'ai malheureusement que cette image à vous proposer. Ah oui, ils ont pas grand chose sur eux. Oui, mais ce sont des gardes, hein. C'est bien les gardes qu'il y avait à Fort Boueux. Et donc vous voyez ces créatures avancer vers la porte d'entrée. Je vais les mettre sur la carte. Alors, ils sont où mais... Attendez, donc là on a plein de gardes sur les remparts hein, qui peuvent tirer. Ouais, je vais les positionner aussi en même temps que vous. C'est la dizaine de soldats qui sont partis de Fort Boueux avant nous quoi. C'est ça? Non. On les connaît pas. Pas du tout non. Vu que ce qui reste tu. Non mais il y a eu à Fort Boueux, je pense qu'il y a eu déjà eu des gardes qui ont eu. Oui, il y avait mourir des gardes déjà avant, donc je pense c'est cela. C'est cela même. Alors attendez deux secondes, je prépare parce que j'ai pas fait mon boulot. Alors. Hop là. Oh, tout va bien, on a un prêtre avec nous. Alors, t'existes plus, je crois, à repousser mort vivant. Hein. C'est ça. Donc non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais essayer de le mettre en bas. Voilà. Je sens que je vais avoir un combat tracker bien chargé. Et vous entendez toujours au loin les tambours, pas du Bronx, mais de la forêt de Mireux. De Myriel, pardon. Et attention à voir ce que ça donne. Oh là, j'ai plus de tympan droit. Ok. Vous les voyez tous à l'écran, c'est bon. Et dans le combat tracker aussi. Ouais. Et dans le combat tracker aussi, vous les voyez, donc magnifique. Et donc je vais vous mettre donc les gardes. Parce que vous avez quand même des. Vous avez quand même des gardes avec vous. Qu'est-ce que t'as dit, là? On attend qu'ils soient juste en haut. Vous voyez le gourdin? Enfin, les morceaux de bois. Alors. Attendez, je prépare, hein, parce que c'est un peu. Ils ont pas l'air super agiles. Ouais, ceux-là, faut aussi les taper, c'est tout. Alors, je vais faire autre chose. Excusez-moi. Ce serait bien que je puisse avoir accès au menu là, voilà. Deux secondes. Alors, on a une dizaine de gardes hein, avec vous. Et 10 personnes lambda, on va dire.
Voilà, c'est bon. Hop, je vais. Et je vais mettre un token rapidement. Hop là. Oh, j'arrive pas à trouver. Faire ça. Hop. Ça. Hop, je vais mettre Jean du village. Et pas Jean. Bon. Ni du jardin. Et hop là. Et c'était une dizaine. Hop, hop. Et donc ils sont eux, ils sont des amis. Voilà. Alors voyons voir si ça passe maintenant. Alors les gardes, je vais les mettre sur les remparts à côté de vous. Enfin les remparts, il n'y a pas des remparts, mais là où il y a des planches en bois en fait. Il y en a qui sont sur les toits des maisons. Voilà. Et les gens du village qui sont un petit peu plus en retrait. Bon, il y en a qui sont devant en fait. Pour bloquer la porte au cas où en fait. Je vais les mettre un petit peu aux alentours au cas où. Ils se fassent mort par des morts vivants et qu'ils viennent aussi morts vivants. C'est ça. C'est une. Et hop. Voilà, maintenant attention. Ça va mouliner un peu parce que tout ce petit monde là va se retrouver dans le combat tracker. Voilà. Ah, ça mouline. Et il faut qu'on tire notre init. Et voilà. Et bah, je vais vous demander effectivement de tirer l'initiative. Et puis chaque tour de combat, et eh bien je vous demanderai, lorsque ce sera votre tour, ben effectivement de vous demander de ce que vous allez faire exactement. Allez, hop, je suis face. Ah, ça marche comme ça le jeu de rôle. Alors. Je tire les initiatives. Hop là. On est sur un premier round de combat. Et. Eh bien. C'est Tilin qui va ouvrir le feu, on va dire. Eh bah ouais, j'allume une de mes flèches là et puis je tire sur un zombie. Ça marche. Parce que là, le piège, il n'y a personne, hein, il n'y a que les 10 zombies pour l'instant, il n'y a pas des centaines d'orques. Non, il y a toujours le foin avec l'huile, etc., que vous pouvez enflammer. Je vais mettre une croix, ce sera plus simple. On s'était mis d'accord, qui c'est qui enflammerait ce truc hein je crois pas. Je crois que oui, derrière, toi. Ah, d'accord. Et on me dira top alors, pour l'enflammer. C'est vous qui me donnez le top. on te laisse gérer. Ah, d'accord. Bah là, je tire sur un zombie. On a confiance en toi. Deux secondes, j'ai un problème avec le casque. Ah. Oh. Merde. C'est bon. Alors, Tilin, tu tires une flèche sur un des. Des zombies qui s'approchent, malheureusement. La flèche part dans le ciel obscur. Ah non, ça fait un peu de lumière, elles sont enflammées. Oui. Pas mal, Antoine. Oui.
On ne parasite pas ma musique, merci. Alors, c'est un des gardes qui... C'est le garde numéro 9. Vas-y, va retrouver toi après. Alors, attends, je vais faire un espèce de zoom. Surtout qu'il Donc, là, tu as réussi à rentrer combien dans le combo tracker? 10 plus 10, 20 plus vous, 24 en tout. Ouais, pas mal. D'accord. Donc attendez, parce que j'ai un... J'arrive pas à voir mon garde, c'est celui-là? C'est le... Ouais, c'est celui-là. Ouais. Ça y est. Donc il tire une flèche, parce qu'il est sur une maison un petit peu plus haute que les palissades. Ah, ton garde? Ouais, ce qui fait qu'il tire une flèche sur un des zombies. Alors attendez. Hop là. Et donc, ah bah oui, ça c'est bien ça d'avoir fait ça, Stéphane, c'est génial. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien de mettre 0 points de vie à chaque garde. Hein. Putain, c'est super. Bon, c'est pas grave. Je vais juste regarder mes zombies. Voilà, ok. Eh bien, il y a une première flèche qui part. Ouh, est-ce que c'est un critique? Non, c'est pas un critique. Mais une flèche part en direction d'un... d'un zombie. Oh, je regarde juste un truc. Ah, c'est ça. Et il y a un zombie qui se prend donc une flèche. On va dire que c'est celui-là. Et il est bien devant. Et il rigole. Faut que je le retrouve. Donc, voilà. Pour un déplacement, on fait combien de cases? 5, 6, 5. Je parle toute seule, hein. Excusez-moi. Okay. Bah, normalement 6 pour toi. Alors. J'ai pas. En fait, j'aurais dû tirer sur le sol tout de suite, non? Dans les deux secondes, je vais voir bon. Si dans les options. Bon, non, gâchons pas ça. J'ai la possibilité de mettre des. Bon, on va pas les enflammer, les zombies, on va se les taper, non? Voilà. Non, mais voilà, après, en random à la gueule. En bien nombreux, quoi. Alors, ils se déplacent lentement, mais sûrement. Ils viennent à la porte. Ils arrêtent. Ça fait 1m50, hein, donc ils se déplacent de 6 cases. Hein. Coucou. Ils sont à la porte. Comment ça frapper Pas de pub. Toc, toc, toc. Ils font le serpent à sonnette, quoi. Un des gardes essaye de, bah de tirer sa flèche sur, sur le zombie qui est à la porte, en fait. Ah, est un pour le rater, les fois. Il le loupe. Lol. Il est où celui-là? Ah, ils sont déterminés en garde et pas gens du village. Ok, d'accord. Le super. Putain. Alors, il y a un des gens du. Un des villageois en fait qui tire sur. Sur un zombie. Alors, sur le zombie numéro 6. Il va lui tirer dessus. Il y a des flèches qui partent. Ah, il le loupe. Alors, lui il fait rien. Lui non plus, il est trop loin. Et il y a un des zombies qui s'approche. Un autre zombie qui s'approche. Des gardes qui est à la porte ne fait rien. Il attend. Oh si, il peut tirer en fait à travers les interstices de la porte en fait, il tire sur le zombie qui est là. Presque à bout portant. On va tirer sur lui. Et il le touche. Ah
Ah, il se prend une flèche dans la poitrine, mais le zombie n'a pas l'air de tomber. Alors. Tire une flèche. La garde à côté de Cagliostro qui tire une flèche. Sur un des zombies, le loupe. Les zombies approchent. C'est à Hurde. Ronfle fort, hein. De quoi, qu'est-ce que t'as dit? Il y a Ninuel qui ronfle fort. On l'entend, elle fait. Bon, oh, j'ai mal, j'ai malade. Les toilettes, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, on a des trucs à projeter. T'es sûr qu'Aninel va produire en quantité? Je sais pas, ça dépend de qui est malade. Donc c'est ta Hurde. Je sais pas ce que tu fais. Préparez le gourdin. Le gourdin. On avait pas un tronc de bois là pour le. Ben non, c'est pas. Non, non. C'est... Ils sont dans la forêt les gourdins. T'as que des cailloux? T'as oui. Préparez le. Caillou! Non, mais tant qu'ils sont pas. Tant qu'ils sont pas rentrés, on va. Je tape pas... sur la bébête là. Ah, mais faut que tu sortes! Les portes sont fermées! Vous avez fermé les portes! Une chaveline! Ah, tu plantes. Oh merde, on a oublié de fermer les portes! Oh merde! Oh merde! Les portes sont pas fermées! Mais oui, une javeline au travers des interstices. Tu peux jeter une javeline, ouais. Bah pourquoi je l'ai jeté Oui, il peut utiliser sa javeline. Il a fait un épieu. Oui, tu peux utiliser ta javeline pour à travers la porte, les interstices de la porte, alors que le zombie est en train d'essayer de taper dessus, de perforer. Ouais. Mais t'es, faut que tu t'avances là, parce que t'es un peu loin pour faire ça. Bah je me mets là alors du coup. Non, c'est ça. Bah oui. Par la porte. Ouais, par la porte, ouais, les interstices de la porte. Alors attends, action. Ma javeline. J'essaye de tirer dessus. Vous voyez que les gardes et les gens du village qui sont aux alentours sont pas fiers de voir ça. Hein. Vous voyez qu'ils prennent un peu peur quand même. Hein. Il disparaît de manger, c'est marrant ça. Attends. J'y vais. Non, c'est pas ça. Il a pas tapé. Attends. Hop. Miss! Timon. C'est à Timor. Timor, il passe son tour. Hein. Il fait waouh. Il rougit de plaisir. Avec un lion et ça repart. Ça doit pas être très bon tout ça là, à manger comme vient de la zone. Non, 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 ça va varier. C'est pas. Ben, des gardes qui est un peu éloigné ne fait rien. Quel je suis là? Ah bah celui qui est à côté du Hurde tire à travers les interstices avec son arc. Bon ils sont pas bien doués hein, les gens du village hein, et non ils le loupent. Ils ont pas vraiment de compétences à l'arc. Ils ont pas de compétences même du tout. Donc voilà. Ils font ce qu'ils peuvent en fait. C'est surtout ça. C'est déjà bien. Ouais. Donc il y a un des gardes qui est au-dessus du toit, enfin qui est sur le toit, au-dessus, qui balance une flèche dans le groupe de zombies. J'aurais dû faire un truc, mais c'est pas. Oh ben, c'est un fumble. C'est un fumble. Un fumble. Donc vous voyez... c'est normal s'ils balancent ses flèches à la main au lieu d'utiliser. C'est ça, mais en gros, ils ont pas du matos excellentissime, donc le garde explose son arc. Vous voyez le fil de l'arc qui craque en fait au moment où il veut balancer sa flèche. Donc c'est pas de chance. Celui qui est à côté de lui utilise son arc aussi et essaye de balancer une flèche dans le groupe de zombies. Et non. Ça ne touche pas malheureusement. Les gardes, celui-ci est un peu trop loin. Celui qui est sur les remparts, enfin sur les espèces de bois que vous avez installés, etc., prend son arc
tire sur des zombies. Il touche. Il touche un zombie qui était un peu éloigné, on va dire le numéro 3. Le numéro 3. Ça tire dans le tas, hein. ça vise pas, c'est peu précis. Mais quand même, c'est... Ah merde, c'est combien j'ai dit? C'est le numéro 3. Et ça touche les zombies. Hop là. Alors, c'est encore à moi. Un des gardes sur la guérite essaye de tirer à l'arc sur un des zombies qui s'approche. Il le touche. Vous voyez une flèche qui perfore le zombie. C'est celui qui est près de la porte. Hop là. Alors, nos zombies approchent. 1, 2, 3, 4, 5. S'approchent petit à petit. Commence à... venir vers la porte dangereusement, et c'est à Croril de jouer. J'encourage mes camarades de ma voix puissante. Ouais, tuez-les tous! Je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ok. Eh bien, c'est un tour au garde de tirer à l'arc de derrière la porte, en fait. Il le touche, un des zombies. Paf, on va dire qu'il était... c'était celui-ci. Hop là. Hop. Et... hop. Les zombies s'approchent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pof pof pof, lui il est assez en hauteur pour pouvoir tirer. Il y a personne du. Un villageois qui prend son arc, qui tire, qui touche un des orques dans la mêlée. On va dire que c'est celui-là, le numéro 10. Voilà. Ah bah il s'est déjà pris des flèches lui, donc. Paf, tiens! Une deuxième flèche qui vient transpercer son corps. Le numéro 3 qui là, pareil, il prend son arc, il tire une flèche. Il loupe. Pourtant ils sont pas loin, mais bon. Alors, c'est le numéro 4 qui est derrière. Il fait rien. Le garde numéro 8 est ici, il est trop loin. Des zombies approchent. Il sait plus où se mettre, il n'y a plus de place. Se mettre là. Attends, je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça là. Et c'est à Kalios 3. Alors vous voyez que les orques, les zombies en fait sont en train de taper et en train de pousser en fait les portes. Et vous voyez que les bouts de bois que vous avez mis derrière, etc., commencent à plier dangereusement. À cause de la poussée des zombies sur... ils se poussent eux-mêmes, ils se poussent, tu vois. C'est un peu comme dans The Walking Dead, quoi. Ils sont les uns sur les autres en train d'essayer de pousser sur la porte pour la faire craquer. Et vous voyez les planches pliées, vous dites que ça va pas tenir longtemps. Cagliostro. Ouais, je descends du truc. Est-ce que avec mon bâton, je peux passer pour taper sur un zombie? Ah, tu à taper, ça va être difficile. Tu vois, t'arrêtes. Pousser. Ouais, pour les repousser. Je mets mon bâton dans un interstice et je pousse avec le bâton, quoi. Ouais. Donc, sans savoir ce qu'il y a au bout. Ouais. Ça va être difficile. Ça va être difficile en fait. Bon, tu me fais comme un jet d'attaque en fait. Ouais. Tu me donnes un malus. Ouais, je te donne un malus, mais je vais voir déjà le jet que tu fais. D'accord. Ouais, ok. Donc voilà, donc c'est même pas la peine que je te mets de malus. Tu n'arrives pas en fait à... Tu vois que ça pousse aussi derrière, quoi. Et tu vois que ton bâton est repoussé en fait par les zombies, quoi. Il le repousse, quoi.
Et franchement, vous voyez les gens du village, les villageois qui sont près de la porte, qui commencent, malgré les encouragements de Kroril, à se regarder les uns les autres. Les gardes se regardent aussi, ils regardent les gens du village, ils vous regardent. Ils pourraient regarder les zombies pour en tirer dessus. Et ils ont... Vous voyez qu'ils commencent vraiment à flipper, quoi. Faites-les brûler! Ben oui, c'est ce qu'on a besoin de faire, hein, on est mauvais. On est mauvais, on est mauvais. Un des gardes... Il est où, lui? What the fuck? Bah. Ah bah, c'est lui qui est derrière. Il ne fait rien. Il commence un peu à regarder ses pieds. Le dernier des zombies arrive. Il commence à pousser le zombie devant lui. Oh là là, qui pousse le zombie devant... Devant lui aussi, vous voyez que c'est dangereux, les bouts de bois que vous avez mis commencent à grincer, à se tordre dans tous les côtés. Ça, vous avez beau être derrière en train de les consolider avec vos personnes, vous voyez que ça commence à tordre sérieusement, quoi. Nouveau tour. Et pas celui de cette porte, hein. Non, c'est pas une. Zombies qui... Il y a trois zombies, enfin ils sont neuf quand même, hein. 10 même. Ils sont tous en train de se pousser les uns sur les autres en fait. Hein. Ouais, mais ça fait effet de masse en fait. Il y a 6 humains. Oui, oui, oui. Il y a 6 humains, il y a la porte de base. Oui, mais la porte de base, c'est pas une porte à double. C'est pas une porte, comment dire, en chaîne massif, etc. Tu vois, c'est. Elle est pas bien solide, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que vous l'avez renforcée. Hein. Ah bah je tire sur le piège. D'accord. Tu tires sur le piège à foin? La croix rouge là. Là, d'accord, donc là où il y a le foin, avec l'huile, etc. Ok, ça marche. Ouais. Ok, ça marche. Donc je fais comment? Bah tu fais comme si tu faisais un DD de difficulté 10. Tu tires dans le chat en fait ta flèche et si tu fais au-delà de 10 avec ton dé de 20 plus tes modificateurs, parce qu'il n'y a pas réellement de c'est une grande surface quoi, donc la classe d'armure est de 10 quoi. Voilà, donc vous voyez Tilin qui bande son arc, qui vise correctement dans le tas de foin et elle vise au plus près des zombies, donc là où il y a la croix rouge en fait, tu tires une flèche dessus et vous voyez le foin qui s'enflamme. Alors vous en aviez mis jusqu'à la porte, hein, je suppose, non? Il fallait pas que ça brûle la porte, mais... Au moins les... Alors vous me dites, hein. Les trois premiers ne seront pas touchés par les... Les trois premiers zombies ne seront pas touchés, en fait, par le foin, parce qu'ils sont près de la porte, vu que vous n'avez pas mis là. Vous en avez mis après, en fait. Donc, en fait, ce qui fait que il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Soit on avait préparé... enduit la porte de trucs qui brûlent pas, soit on n'a pas mis, ouais. C'est vous qui me dites, hein. Mais moi, vous m'avez pas dit que vous... la porte de trucs qui brûlent pas. Vous m'avez... Je sais pas, de la chaux, je sais pas. Oui, non, mais on a rien dit. Vous m'avez rien dit, donc moi, je suppose que pour éviter que la porte, elle brûle... Pour éviter que la porte, elle brûle, vous n'avez pas mis devant la porte, quoi. Sinon, ouais. Ça fait brûler la porte aussi, quoi. Bah, vous êtes intelligent, quoi. Voilà. Donc j'estime que ce sont les 7 zombies. Il y en a partout du foin. Il y a 7 zombies donc qui vont être pris par les flammes. Donc Tilin, tu vas me faire un dé de 6 et ça va être le nombre de blessures que les zombies vont recevoir avec le feu. Et ben un point. Et ben c'est pas mal. Merci d'avoir participé. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, je vous en prie. Après il faut que... Alors le feu va brûler va brûler pendant longtemps parce qu'il me semble qu'il y a du feu grégeois dans le coin là, non? Non, il est dans les arbres. D'accord. Le feu grégeois, c'est pas ça? Non. Je sais pas, c'est Cagliostro qui... C'était Cagliostro qui se devait s'en charger. Oh, j'ai oublié, il est toujours cher l'herboriste. Oh, bah il est au milieu du village. Merde. Non, mais peut-être que c'est les flammes que j'utilise, je sais pas. Enfin, vas-y, Cagliostro, tu l'as mis où, le feu grégeois? Normalement, c'est... Mais sinon, ce serait pas mal que les flammes qu'on utilise aient du feu grégeois. Vu qu'on les tire pour pas qu'elles s'éteignent et tout ça. Non, mais dis-moi ce que t'as fait de ton feu grégeois, Louis. Dans des petits pots de terre, pour les balancer. Des petits pots de terre pour les balancer. D'accord. Ok. Bon, tu m'en as filé un petit pot de terre pour allumer mes
mes flèches quand même. Il y en a. Ensuite, oui. Ensuite, vous avez pu les utiliser pour vos pièges à vous. Ouais. C'est vous qui voyez. Faut me le dire maintenant. Faut pas me le dire après. Parce que. Moi, je suppose que je peux en avoir pris pour allumer les pièges quoi à chaque fois. Pour, les pièges dans la forêt. Voilà pour allumer. Okay. Enfin non, pour tremper mes flèches dedans pour allumer pour qu'elles brûlent de feu grégeois et pas d'un feu qui s'éteint facilement. D'accord. Ok. C'est ça, hein, du feu grégeois, c'est comme dans Game of Thrones, il s'éteint pas, quoi. Le principe du feu grégeois. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Il s'éteint pas à l'eau. D'accord. Donc depuis tout à l'heure, tu tires avec des flèches avec du feu grégeois. Bah oui, non. Bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je veux te savoir. Oui. D'accord, bon bah je ferai... parce que c'est les dégâts sont pas les mêmes, hein. Le feu grégeois, c'est 2d6, hein. Ah, je sais pas. Ben si, c'est pour ça que j'aurais bien aimé de savoir. Ben c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois que tu utiliseras une flèche. Alors, du coup, tu m'as... Donc j'ai un point qui part. 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 Et un point. Voilà. Donc c'est à moi. Un des. Hop là. Touche un des zombies. On va dire celui-ci. C'est pas bien grave de toute façon. Alors le zombie. Alors tu vois des. Tu vois que le zombie en face de toi essaye de. Il pousse en fait. Il pousse. Ils vont rien faire, hein. Ils vont juste pousser les portes en fait. Et vous entendez des craquements. Garde, il tire sur. Il touche. Il tire sur les zombies. Hop. Celui-ci tire aussi, puisqu'il est à distance en fait sur les planches en bois. Il touche. Hop. Des zombies se prennent une flèche. Celui-là est trop loin. Celui-là est trop loin. Et les zombies poussent la porte. Ça craque de nouveau. Ça craque encore. Paf paf paf. J'en suis là. Lui il fait rien. Lui il tire une flèche. Il le loupe. Ça craque. Et vous voyez donc un des madriers que vous avez mis derrière qui craque et qui se brise. Clac, c'est le premier qui commence à se briser. Il y en a d'autres, mais ça va pas tarder à tout péter en même temps. Urd, tu vois que les madriers commencent à céder, les zombies poussent la porte, ça craquelle de partout là-dedans. Les hommes autour de toi, les gardes et les gens du village commencent à prendre un peu la ils sont un peu paniqués en fait. Les rochers qu'on avait prévus là, ils sont faciles pour leur rouler. Ils sont à côté de vous, mais il faudrait ouvrir les portes en fait. Mais le problème c'est que comme les portes s'ouvrent de l'extérieur, comme vous pouvez vous en apercevoir, elles sont bloquées pour le moment. Elles sont bloquées par les zombies qui poussent derrière en fait. Vous voyez que tout ça est en branle, hein. Les portes se vibrent des coups des zombies, les madriers placés derrière. Vous voyez que certains sont brisés, d'autres ne vont pas tarder à se briser. Que fais-tu ? Moi, je fais un coup de sur celui qui est en face de moi. Allez, un coup de javeline à travers la porte. Bah, tu le touches sans problème.
Tu vois en face de toi une tête de zombie avec une javeline qui vient d'être transpercée par l'œil. Voilà. Il tombe au sol. Je vais les enlever au fur et à mesure hein, parce que sinon on va se marcher dessus. Hein. Paf, c'était le numéro 4. Et donc c'est à Timor. Bah il descend. Pour que tes mains fortes si jamais. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il se met là quoi. Hop. Ok, d'accord. Rien d'autre ? Non, donc, je passe mon tour. Passe ton tour. Hop. Juste le temps que je me mette la fenêtre. Hop, voilà. Tu entends des gardes, Cagliostro et Ur, tous les deux vous entendez des gardes. Je veux pas rester là, je veux pas rester là. Et vous voyez que il s'enfuit. Voyons, restez là. Tenez votre poste. Vous voyez commencer les gardes à commencer à descendre des toits. J'ai l'impression que c'est un peu le fait que la porte va rompre. Les gens commencent à descendre des toits et à vouloir partir, à se réfugier. Préparez ailleurs. Préparez les cailloux à leur lancer dessus. Restez en position ou vous mourrez. Alors, qui d'entre vous de Tilin ou de Urd à des points en diplomatie. Oh. Oula. Ça va pas être mon fort, ça. Il y en a plus que Urd, quand même. C'est coché, diplomatie. Et j'ai plus un, c'est charisme. Et il peut y avoir de l'intimidation pas. Aussi, non. Moi j'ai pas, moi. Diplomatie, j'ai rien. Ouais, alors, c'est coché, Intimidation, je suis meilleur. Intimidation ou diplomatie ? Qu'est-ce que l'un d'entre vous a des points dans l'intimidation ? Ouais. Alors... Intimidation. Mais plus simple parce que c'est une caractéristique, non ? C'est ça ? De plus. Attends, comment ça des points ? Je regarde ta fiche. Je comprends pas. Alors diplomatie. Ah non, rang. Point en rang. Diplomatie, c'est faut que t'aies des points dedans, mais tu peux le faire. C'est un jet ouvert, hein, donc t'as un plus 1. C'est pas des connaissances. Les connaissances, généralement, c'est des compétences fermées qu'il faut que tu développes. Mais la diplomatie, c'est quelque chose d'ouvert, donc tu n'as pas besoin d'avoir des points t'as de rang dedans. Pas besoin d'avoir un point de rang. Donc tu peux... un meilleur charisme c'est total. Moi, mais... Ou pas vraiment, je pense pas. Urd crie un grand coup, en fait. Hein, quand tu les vois partir, tu commences à gueuler, rester à vos positions, etc. Donc tu vas me faire un jet d'intimidation. Intimidate, t'as plus 3. Donc tu me fais un jet d'intimidation à plus 3. Céline a un point, Urd est négatif. Alors. Ouais, je pense qu'ils ont fait tous pipi dans leur truc et c'est pas à cause des zombies. Ils sont tous secoués, ils bougent plus. Ils sont chicken. Alors intimidation. Ça permet de contraindre à agir les gens. Super mon casque. Putain. Celui qui reste pas doit s'occuper de Ninuel. Alors, DVC plus le modif de sa chaîne. Et je regarde hein, comment ça fonctionne. Ça fait bizarre de se battre sans un champ guerrier derrière nous habituellement. La petite voix de Ninuel. Donc effectivement, au prochain tour, tu vois certains qui se sont enfuis, qui vont revenir à leur poste. Alors, je reprends le combat très cœur. Le garde qui était
était là. Il a entendu ta grosse voix de baryton hurle et il reste sur place. Et il tire une flèche. Bravo. Super. On peut partir. Bon, eh ben, effectivement. Donc c'est un échec critique. Ben il tire sur sur un des zombies, manque de bol. C'est vraiment pas de bol. Son fil de là, de son arc en fait pète et il n'a plus d'arc. Hop, alors celui-ci essaye de tirer. Il touche un des zombies. Pof, ah ben parfait. Ah super, et où donc, y en a un qui se prend donc une flèche en pleine poitrine, mais il est encore vivant. Et vous voyez donc les. Ah, c'est lequel ? Ah, c'est celui-là. Il y en a un qui se déplace, qui vient là et qui commence à pousser avec les autres à la porte. Et vous voyez un des madriers qui cède le second. Cela ! Oh Dieu ! Ça pousse encore et là, paf ! Un autre madrier qui pète. Il en reste un. Il reste un madrier. Et vous voyez la porte qui commence à se gondoler dangereusement. Croril, tu vois ça? Bah, il va falloir que je me fâche, hein. Donc, je me colle contre la paroi et je vais faire une canalisation d'énergie pour blesser le mort vivant. Il saute dans le tas. Non, je suis de mon côté. C'est sur un rayon. Donc, ouais. Alors. Je crois que c'est un rayon de 9 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc normalement je dois tous les prendre. Je crois un jet de montée, je crois, c'est ça. Alors attends, je te dis ça tout de suite. Tac tac tac. De toute façon ça va pas faire des dégâts contre eux. Malheureusement. Non mais il y en a qui sont déjà blessés. Alors, oui, tu as le droit à un jet de volonté pour diminuer les dégâts de moitié. Le jet de sauvegarde est niveau 10 plus la moitié du niveau du prêtre plus modificateur du charisme. Ça fait donc 10, c'est scripté 11, ou pas 12. C'est scripté? Je pense pas. Ah merde. Je regarde. Ça pourrait être. Canalisation. Putain, il y a tellement de trucs sur cette feuille, quoi. C'est le bordel. T'as, je suis niveau 2, il y a 15 pages quoi. Alors. Canalisation d'esprit, non, il y a que la version heal qui est scriptée. Si, il y a canalisation d'énergie. Oui, mais il y a que la version heal qui est scriptée. Ouais, mais bouge pas, je te fais ça dans la foulée moi. Ah bah, ça je sais pas faire rapidement. Oh, si, moi je sais le faire très rapidement. Du coup, c'est des dégâts, hein, c'est ça. C'est combien de dégâts? 1 des 6. 1 des 6. Et d'un prochain niveau, c'est 2 des 6. Tac, ok. Oui. Donc c'est. Bon. C'est par level ton truc, c'est ça? Ok. Hop. Non, c'est tous les deux niveaux. Ah, c'est pas. D'accord, bah c'est pas grave. Donc c'est 1 des 6 plus 2, c'est ça? Parce que t'es deuxième niveau? Ah non, c'est 1 des 6. C'est 1 des 6 tout court. D'accord. Oui. Bah, c'est pas mal. Ça sera 2 des 6 prochain niveau. D'accord, ok. Alors hop, ben écoute. Ah merde. Hop là, voilà, c'est bon. Je te l'ai mis, logiquement tu devrais le voir là. T'as une petite goutte de sang qui est apparue. J'ai une goutte de sang, oui. Ah oui, mais pour le jet de volonté. Bah oui, comment tu veux? Ben attends, c'est pas compliqué. Hop là. Et logiquement, c'est ça. Et. T'es niveau 2, c'est ça? Jet de sauvegarde, c'est combien tu m'as dit le jet de sauvegarde? Bah là c'est 12. C'est un jet de volonté? Ouais. Ok, c'est un jet de volonté. Un zombie ça a de la volonté. T'es pas bête.
montée de vous. Si, c'est ça la montée. Ok, voilà, c'est scripté. Ce qui fait que tu peux cliquer sur tous les zombies qui sont à ta portée. Je sélectionne tous. Voilà, et tu cliques sur le petit, le dernier en fait, celui qui est le dé en fait. Voilà. C'était bien. C'est bien, hein. C'est quoi, c'est un dé de combien là? Ah oui, ils sont tous ratés. Ils ont tous, ah oui. Non, il y a deux qui ont réussi. Il y en a deux qui ont réussi, les autres ils sont en... Alors ceux qui ont réussi, tu les décibles, c'est-à-dire le numéro 10. Oula. Il est où? Il est à côté de, en face de Urde. 19. Et l'autre c'est le 3. Non, pardon, excuse-moi. Attends, je fais comment pour le... Tu décibles, tu fais un contrôle sur lui. Parce que je le vois toujours ciblé. Alors... Ça a pas marché. Ah, c'est bon. Et le 6. Et le 6, il est... Ah, mais c'est déjà déciblé en fait. C'est pour ça. Ah, ciblé, ah d'accord, ok. Ah bah ça les fait automatiquement, bah c'est génial. Donc bah tu lances les dégâts maintenant. Yeah. Ah bah voilà. C'est magnifique. Oh non. Ah y'en a un qui est mort quand même. Y'en a un qui est mort, hein. Y'en a un qui est mort. Le zombie numéro 9 est mort. Bravo. Et bien du coup, tu peux passer pour tout. Point 1 aussi du coup. Oui, c'est pour ça, le 6 et le... Faut que je regarde. Mais le feu, ça leur faisait un dégât que à un tour ? Non, deux tours. Mais deux tours et ça s'éteignait, d'accord. Ouais. Alors, celui-là, il se prend un point. Et on avait dit le numéro... Ah non, ils ont réussi, donc ils prennent pas de dégâts quand ils réussissent, ou c'est la moitié ? La moitié. C'est la moitié. La moitié de 1. Ouais, ça fait 1, non, c'est 1. C'est 1 ou c'est 0, j'en sais rien. Non, je pense que c'est minimum 1. C'est minimum 1. Donc le 6 et le... Il manque le 10. C'est ça, hein ? C'est le 10. Donc le 10. Le 10, il est où ? On demande le zombie numéro 10 à l'accueil. Ah, hop, à côté de Urde. C'est ça. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Vous y arrivez. Alors, ouais. Bah, tu peux passer ton tour. Alors, celui qui en face essaye de tirer à l'arc à l'intérieur de... Hop, il touche. C'est magnifique. Et... Oh bah, il fait maximum de dégâts. Alors, c'est le numéro 3 qui se prend une bonne giclée. Une flèche. Mais bon, il est pas mort. Et ça va être... Tu devrais enlever celui qui est mort. Ouais, ouais, c'est le numéro 9. Je vais l'enlever. Merci. 9. Hop. Paf. Et donc c'est à mon zombie numéro 6 d'interagir. Il reste là, il pousse. Vous entendez un gros craquement. Il craque de nouveau, la poutre craque, celle qui reste. Il y a un des gardes qui tire sur un des zombies. Il tire dans la mêlée, il tire dans la foulée. Et il loupe. Un garde numéro 3. Qui est devant. Il est où ? Il est là, il tire une flèche. Il est juste au-dessus, il touche. Tac, il tire sur le zombie qui est vraiment juste à côté de lui. Le zombie numéro 3 tombe au sol avec une flèche dans la poitrine. Et il a fait combien de... Ouf, parce que c'est lui qui pouvait enfoncer. Ouais, je vais l'enlever. Ouais, et que les zombies se marchent dessus les uns sur les autres. Ça c'est fait pour lui. Alors, lui il est où ? Il bouge pas pour le moment. Le garde 8 ne peut rien faire, il a pété son arc. Cagliostro. Je fais un pas de placement. Je passe mes mains au travers des les interstices de la porte. Et je regarde bien dehors et je fais une main brûlante. D'accord. Donc ça fait un cône en fait, hein, la main brûlante. Un cône, ouais.
Donc tu prends, je pense, tous les zombies là dans le lot. Toc. Miss, il y a un miss, mais tous les autres t'ont touché. Et le miss est le zombie numéro 6. 8 et le 6. Ça me réserve un survivor. Alors le 8, le 6, je le vois. C'est un zombie survivor. Je sais pas si j'ai décidé pas. Attends, je monte là. Mais il est au milieu, il faut dire. Je pense que. Ah bah, tu me les as déjà retirés. Il les a retirés. Il les retire automatiquement. Donc tu peux faire les dégâts. Beau, il fait la moitié des dégâts, c'est ça si. Oui, ouais, en jeu de réflexe, ouais. D'accord, bah vas-y. Si, c'est un jeu de réflexe. Vas-y. Donc ça fait 3 points. Donc la moitié de 3, ça fait. C'est pas possible. 2 hein, quand même, hein, bravo. Non, on fait tous des. C'est pas. Et du coup, donc 3, on va mettre un point, divisé par 2, on va mettre un point. Donc le zombie 8 et le zombie 6, c'est ceux qui avaient réussi. Hein. Donc eux, ils se prennent un point. 8 et 6, 1 point. 8 et 6, 1 point. Allez. Non, le 8 et le 6, je les ai ratés. Je les ai pas touchés. Ah, il y a pas la moitié des dégâts alors. Ok, d'accord. Non, bah, je croyais. Non mais je croyais. Bah regarde ton sort s'il y a pas. C'est un toucher à distance. D'accord. Ok. Bon, bah, ça roule. Bah, tu peux pas. Et ensuite il y a le jet de réflexe, mais j'ai pas vu le jet de réflexe. Si j'ai fait le jet de réflexe, lui tu l'as fait automatiquement là. Ah bon. Non, tu l'as pas fait. Si c'est 2000 dégâts, c'est marqué dans le sort. Tu le sors, c'est les demi-dégâts quand tu. Ah bah c'est bien ça, donc c'est bien ça. Ouais. Donc le 8 et le 6 se prennent des demi-dégâts. Donc le 8 il se prend un point. 5. Et le 6 il se prend un point. Hop. Oui, mais pour moi c'était que l'attaque et il n'y avait pas le jeu de réflexe. Mais bon. Ah si, c'est. À partir. Bah si, tu fais pas autant de jet de dés, Louis, quand même. Ah oui, en fait, oui, dans le coup, il n'y a pas de jet d'attaque. Ouais. Bah oui. C'est que des jets de réflexe. C'est bizarre. Ouais. Alors le garde 6. Non mais t'inquiète pas, ça marche comme ça, c'est bon, oui, t'inquiète. Oui, c'est vrai, il n'y a pas marqué effectivement. Alors le garde 6. Distance, c'est juste dans le. Ah oui, donc en fait, oui, t'as pas fait ce qu'il fait. Oui. Juste dans le script. T'as fait des jets d'attaque. Oui, c'est le script du sort qui est pas bon. Pourquoi? J'ai pas compris. Parce qu'il fait juste un jet d'attaque. Et non pas une attaque automatique avec un truc de résistance. En fait, je lance l'autre dé. D'accord, okay, c'est pas grave. Le script il fait des jets d'attaque alors qu'en fait il n'y a pas de jets d'attaque à faire, c'est que des jets d'inflexe. Ouais. D'accord, ok. Mais bon, c'est pareil. Non, mais c'est moi qui ai appuyé sur le dé d'attaque alors qu'en fait j'aurais peut-être dû appuyer sur le dé de sauvegarde. C'est ça, Louis. Bon, ok. Le garde 6 est derrière. Bravo. Le zombie 1. Il est toujours debout. Et il est où lui? Il est là, il va se placer ici, il va pousser. Et là vous allez entendre un gros craquement, le madrier tombe. C'est fou ça. Hein. Pété en deux. On le rend fou sur la gueule et on fait des petits dégâts. Quoi. Et les portes s'ouvrent d'un coup. On n'a pas la chance avec nous quoi. Non, mais surtout c'est alors, cette porte. Avant que Tiline joue, papier, quoi. Avant que Tiline joue, je vais demander à Tiline de me lancer un dé de 6. Parce que les zombies sont encore en flamme quand ils ouvrent la porte en fait. Donc tu me fais un dé de 6. Donc ils prennent 2 points de dégâts chacun. C'est fou. 9, 8, 7, 9, 10, 11. On avait quoi à leur foutre 20 points sur la gueule. Et non. On a mis 5 ou 6. Ouais. Ah, il y en a quand même qui brûle hein, et qui meurt. Il tombe. Complètement cramé. Youhou, allez, on fait ça. On fait une pause, on fait ça. Donc on va s'arrêter au moment où, ce qui est 23h30, parfait, au moment où les zombies ont réussi à ouvrir la porte. Je vais quand même déblayer les morts. Donc il y a celui-ci, c'est tout.
Alors on attendait 450 orques et on va se faire pourrir par 10 zombies. Enfin, ils sont 6 maintenant. Donc voilà, on termine là-dessus, sur cette séance où attaque 2 zombies sur Vireux. Les zombies ont réussi à, malgré le fait que vous essayez de défendre Vireux, hein, mon casque qui fait des... Vous m'entendez là? Oui. Mmh. Ah ouais. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Okay. Oui. Donc on se termine là-dessus, sur le fait que ben, les zombies ont réussi à ouvrir les portes, hein, malgré les défenses que vous aviez mis derrière, etc. Et les portes s'ouvrent là, et on finira, je l'espère, avec Gaël, lundi prochain, sur l'invasion des zombies et des orques sur Vireux. Allez-vous réussir à défendre Vireux? On verra ça la semaine prochaine.